Soyez-vous. You may be seated. Nous vous saluons ce matin. We greet you all this morning. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. C'est encore un grand privilège que Dieu nous a accordé d'être ici ce matin. It's again a great privilege that God granted us to be here this morning. Il y a un remerciement ici. There's a thanksgiving here. Maman Bombo remercie Dieu et le pasteur et toute l'église Amen Tabernacle. Maman Bombo thanks God and the pastor and the entire church Amen Tabernacle. Pour tout ce qu'ils ont fait pour elle pour son anniversaire. For all they did for her for her birthday. Que le Dieu de William Branham vous bénisse richement. She said, "May God, William Branham, bless you richly." Amen. Amen. Merci. C'était merveilleux le dimanche. That was very wonderful last Sunday. Et que Dieu bénisse chaque personne qui avait essayé de faire quelque chose. And may God bless each person that tried to do something. Ce matin, j'aimerais parler d'un petit sujet. And this morning, I'd like to speak on a little subject. Comme nous le savons, nous sommes à la fin de cette année de jubilé. As you know, we are at the end of this year of jubilee. Cette année qui était la 50e année depuis l'ouverture de la parole. This year, which was the 50th year since the opening of the word. Et depuis le début, nous avons enseigné beaucoup de choses profondes là-dessus. And since the beginning, we preached on a lot of things. Dieu est en train de clôturer avec le cycle de l'épouse. So God is busy closing up with the cycle of the bride this year. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont arrivés. And many events took place. Parce que chaque événement est rendu clair par la prophétie. Because each event is made clear by the prophecy. Et nous terminons cette année avec un grand événement dans notre pays ici là où nous vivons en Afrique du and Sud. We ending up this year with a great event in this country where we're living in. La mort de Nelson Mandela, le premier président noir de l'Afrique du Sud. The death of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de l'enterrer et les yeux du monde entier étaient tournés vers notre pays ici. And it's today that he's being buried, but the entire eyes of the whole world was c'est turned comme up, beaucoup to this d'autres country. Pasteurs qui m'ont posé des questions là-dessus, je vais faire une petite bande pour eux. So as many pastors ask me questions about it, though, so I'm gonna make a little step for them. Cela est un peu clair par la prophétie du prophète. To make it clear about the prophecy of the prophet. Je sais que c'est aujourd'hui qu'on est tenté de l'enterrer là-bas dans son village. I know it's today that he's being buried there in his et village. Depuis qu'il était malade, les yeux du monde entier étaient tournés dans notre pays ici. Since he was sick, the entire eyes of the world was turned to this country encore, here. Encore, je pense qu'il y a 10 jours, il y a eu des services funèbres par-ci par-là ici. And today again, 10 days ago, there was a funeral service all over there. Et aujourd'hui, les yeux du monde entier sont tournés ici. And today, the eyes of the entire world is turned here. C'est un héros de ce pays ici. He's a hero of this country. Ma prière est que nous puissions les rendre clair par la prophétie. My prayer is for us to make it clear by prophecy. Et observer dans quel temps nous vivons. And to observe in each time we're living in. Ma prière est que cela soit une bénédiction pour chacun de my nous. My prayer is for it to be a blessing for each one of you. Amen. Amen. Je pense que vous êtes prêts pour écouter la parole. Are you ready to listen to the word? Mettons-nous debout. Let us stand up. Dans le livre des Hébreux. In the book of Hebrews. Ce serait long, une longue lecture. It would be a wrong reading. Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11. Commençons verset premier. Let's start from the first verse. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fit enlever pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Asseyez-vous, c'est long. You may be seated, it's too long. Pendant que nous sommes assis, nous continuons à lire. While we're sitting, we still keep on c'est reading. Par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans la terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité
qui avait de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. C'est par la foi qu'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Amen. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu envie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fit mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité », il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ours. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme un voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'absorption du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative firent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Amen. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la guerre des lions et atteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, firent veillant à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, déniés de toute persécuté, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les entrées dans la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Amen. Si le frère peut lire ça pour nos frères en anglais. Hebrews chapter 11. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith we understand that the universe was formed of God's command,
so that what is seen was not made out of what is visible. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. And by faith, he still speaks even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. By faith, Noah then warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he commended the world and became heir of righteousnesses that becomes by faith. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. By faith, Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he has a good dead, came descended as numerous as the stars in the sky, and as countless as the sand at the seashore. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been looking for a country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promise was about to sacrifice his one and only son. Even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned," Abraham reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the tomb of his staff. By faith, Joseph, when his end were near, spoke about the exodus of Israelites from Egypt and gave instructions about his bones. By faith, Moses' parents hid him from 3 months after he was born, because they saw he was an ordinary child. He was no ordinary child. And they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than the enjoy of the pleasures of sin for the short time. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. By faith, he kept the Passover and sprinkling of blood, so that he destroyed of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. By faith, the people passed through the Red Sea as in dry land, but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. By faith, the walls of Jericho fell after the people had marched around them for 7 days. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who disobeyed. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and prophets, who through faith
conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouth of lions, quenched the fury of flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back the dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Some faced jeer and flogging, while still others were gained and put in prison. They were stoned, they were sawn in two, they were put to death by the sword. They went about as sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains and in caves and holes in ground. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Courbons tête pour la prière. Shall we bow our head for word of prayer? Dieu notre Père céleste. God our heavenly Father. Nous voici encore ce dimanche matin de la résurrection, here Père. Here we are again this Sunday morning of resurrection. Les jours où toi tu as laissé une tombe vide, Père. The day you left an empty tomb. Toi notre grand héros de la foi, Seigneur. You are a great hero of faith. Et nous venons maintenant de lire cette parole bénie. We're from reading this blessed word. N'importe qui a étudié peut la lire, Seigneur. Whomever was studying may read it. Mais quand on donne la vraie interprétation et la vie. But when it comes to give the true interpretation of life. Afin que cela puisse vivifier nos âmes, Seigneur. That it may quicken our souls, Lord. Et vivifier, Seigneur, tes enfants qui sont venus ce matin. And quicken your children that came here this morning. Cela ne peut venir que de toi, oh Dieu. That can only come from C'est the Lord. C'est pourquoi pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements ce matin. That's why forgive our sins, iniquities. Au travers du sang versé sur le bois du calvaire il y a 2000 ans, Père. Through the shed blood at Calvary 2000 years ago. Chacun de nous, Seigneur, à trouver accès à ta présence, Père. Help each one of us to have access to your par presence. Par le moyen de cette parole, Père. By the means of this word. Et par le moyen du ministère que tu nous as donné, and Seigneur. And by the means of the ministry that you've given. Écarte-nous du chemin, Père. Take us away, Lord. Que le glorieux Saint-Esprit, Seigneur, la personne de Christ. And let the glorious Holy Spirit, the person of Christ. Viens nous parler, Seigneur, ce matin. Come and speak to enfin us this morning. Afin que cette parole nous transforme, Seigneur. So that this word may transform us. Et que cela nous change, Père. And may change us. Et que cela fasse de nous des héros de la foi, de la perfection dans ces derniers jours. And make us heroes of faith, of perfection in this. Alors que les yeux du monde, Seigneur, sont tournés dans ces pays ici que nous vivons, Père. While the eyes of the whole world is being tous les grands de ce monde étaient descendus ici, Seigneur, la semaine passée, oh Dieu. And last week, all the great of this world came down. Oh here. Père, nous avons nos yeux tournés vers cette parole, Seigneur. We have got our eyes turned to this word, Father. Alors que Seigneur, tu as dit que chaque événement est rendu clair par la prophétie. While you said all events are made clear by prophecy. Et l'épouse ne sera pas surpris d'une chose, Seigneur. And the bride will not be surprised. Viens ce matin s'il y a une partie de l'épouse ici dans cette église. Come here this morning if there is a part of the bride. Que tu nous ramènes sur le droit chemin, Seigneur. May you bring us in the right path. Alors que nous terminons cette année de jubilé, Père. While we're finishing this year of jubilee. Que l'ange qui avait l'écritoire sur la ceinture. Let the angel that had the writing on the qui belt. Qui devait sceller du Saint-Esprit, Seigneur. Sealed by the Holy Spirit. Viens nous sceller ce matin. Come and seal us this bénis morning. Cette parole, Seigneur. Bless this word, bénis Lord. Ton peuple qui va l'écouter, Seigneur. Bless your people that shall laisse hear que this. Nous soyons tous dans les lieux célestes en Christ. May we all be lifted up in tout esprit d'envoûtement de la sorcellerie, de la magie. All spirit of bewitching of magic. Des mauvais entendements spirituels. Bet. Ou de la distraction, Père. Nous chassons ça au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de la Shekinah descende ici. Afin que quand nous sortirons d'ici, Père, que nous puissions dire comme les disciples, que nos cœurs ne brillent-ils pas au-dedans de nous, pendant que la parole et la révélation nous ont été apportées. Fais cela pour ta gloire, oh Dieu. Quand nous l'avons ainsi prié et demandé, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Glory to God, amen. J'aimerais parler d'un sujet ce matin que j'intitule. I'd like to speak about a subject that I entitled. Un héros ne meurt jamais. A hero doesn't die. Je parle ici un héros ne meurt jamais. I'm speaking about a hero doesn't die. Et j'ajoute l'inspiration Mandela dans la prophétie. And I am adding my inspiration into Mandela in the prophecy. Remarquez un héros, Frère Branham dit. Now notice, Brother Branham says that a hero. C'est une personne qui fait preuve d'un grand courage. It's a person that makes proofs of a great courage. C'est ça un héros. That is an hero. C'est une personne ordinaire. It's an ordinary person. Mais qui fait preuve d'un grand courage. But makes proof of a great courage. Une personne qui tient le rôle principal dans une histoire. A
person who holds a principal role in the story. Baba Branham dit un brave homme. Branham says a brave man. Et les autres pensaient que les héros étaient des petits dieux. And people were thinking that heroes were only little gods. C'est pourquoi nous remarquons ici dans la Bible là où on a lu. That's how we notice in the Bible where we have read. Ici c'est Paul sous la révélation du Saint-Esprit. Here it's Paul under the revelation of the Holy Spirit. Essaye de citer les héros de la foi. Trying to name heroes of faith. Oh, qui peut dire amen? Who can say amen? Paul essaie d'énumérer les héros. Paul is trying to name the heroes. Hein, il commence à citer des gens ordinaires qui sont comme vous et moi. He's trying to call upon people that are ordinary men. Mais ils ont marqué l'histoire par leur courage. But they mark the history by their courage. Par leur foi. By their faith. Par leur bravoure. By their bravery. Par beaucoup de choses qu'ils ont fait sur la terre. Ce sont les héros de la foi. They are heroes of faith. Abraham dit hébreu ici parle des héros de la foi. Abraham says Hebrew here is speaking about heroes of faith. Remarquez, il commence depuis l'Ancien Testament. Now notice it starts from the Old Testament. Il parle d'Abel, un héros de la foi. He speaks about Abel, a hero of faith. Ah, pourquoi il était un héros de la foi? Why was he a hero par of faith? Par la révélation et la foi. By the revelation of faith. Il a offert un sacrifice agréable à Dieu. He offers a pleasing sacrifice to God. Parce que la foi c'est une révélation. Because faith, it is a revelation. Et on ne peut pas parler d'un héros sans la foi. We cannot speak about a hero without faith. Donc vous voyez ici Paul relie les héros de la Bible avec le mystère de la foi. That's why you can see that Paul is linking heroes with the mystery of faith. Si vous comprenez, dites amen. Say big amen. Avant qu'il parle et qu'il cite leur nom, before he speaks and name them, il commence à définir la foi. He starts to define faith. Que la foi est une ferme assurance, faith is a firm assurance, des choses qu'on espère, of things that we hope for, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, a demonstration of things that we do not parce see. Que les héros ce sont les gens de grande foi, because heroes are people of greater faith. Or la foi est une révélation, while faith, it is a revelation. C'est pourquoi Paul commence à citer d'abord Abel. That's why Paul started by naming Abel. C'était un héros de la foi. Because he was a hero of faith. Abel a offert un sacrifice par la révélation. Abel had offered a sacrifice by revelation. Abraham dit par la foi, Abel croyait à la semence du serpent. Abraham says that by faith, Abel believed in the serpent seed. Il savait que son père et sa mère n'avaient pas mangé le fruit comme Caïn. They knew that his father and mother never ate fruit like Cain. Mais il savait que c'était un acte sexuel. But he knew that it was a sexual act. Il savait que c'est par le sang. He knew that it was through blood. Que l'homme peut avoir accès à Dieu. That a man can have access. Il a vaincu, il a offert un grand sacrifice. He overcame and gave a greater et sacrifice. Et Caïn a été jaloux de lui-même. And Cain was jealous of him. C'est pourquoi les héros, les gens sont parfois jaloux d'eux-mêmes. That's why heroes at times people are jealous. Il cite Enoch, voyez-vous. He named Enoch. C'est un héros de la foi. He was a hero of faith. C'est la première fois qu'un homme a marché avec Dieu. It was the first time that a man walked with God. Et il a été enlevé, il a quitté la terre. And he was caught up and c'était left quoi? Il était un héros de la foi. What was that? He was a hero of faith. Et il a laissé la pyramide. And he left the pyramid. Comme un exploit de sa foi. As an exploit of his faith. C'était un héros de la foi. He was a hero of il faith. Cite Enoch, voyez-vous, Noé. Noah. Noé était un héros de la foi. Noah was a hero parce of faith. Parce que divinement avertu par la foi. Because divinely or deeply speaking by faith. Il fait un exploit, il construit l'arche. He made an exploit and built the ark. Et il a sauvé sa famille. And saved his family. C'était quoi? Il était un héros de la foi. What was that? He was a hero il of faith. Abraham. He named Abraham. Le père de la foi. The father of faith. Il était un héros parce qu'il croyait à l'impossible. He was a hero because he believed in impossible. Par la foi, il a offert à Dieu des grands sacrifices. By faith, he offered to God a greater sacrifice. Par la foi, il a quitté son pays pour aller dans un pays étranger. By faith, he left his country to go in a foreign country. Et il avait la foi en Dieu, voyez-vous. And he had faith in c'est vrai, God. Il est devenu un héros de la foi. That's why he became a hero il of faith. Il cite même Sarah qui a été translatée par la foi. Even speak about Sarah that was translated il va by continuer faith. À citer tous les grands héros de la foi de la Bible. You see, he keeps on naming the great hero of il the Bible. Il cite Isaac qui a béni Jacob. He named Isaac that blessed Jacob. Par la foi, il savait qu'Esaü n'était pas un bon enfant. By faith, he knew that Esau was not a good child. Par la révélation, il a béni Jacob. By revelation, he blessed Jacob. Et Jacob en mourant, il a béni Joseph. And Jacob by dying, he blessed Jacob. Il cite Joseph, un héros de la foi en Égypte. He named Joseph a hero in Egypt. Il avait la foi qu'un jour Moïse viendra. He had faith that one day Moses will come. C'est vrai, il a dit, n'enterre pas mes os ici en Égypte. He says, do not bury my bones. Il avait la foi qu'il y aura la résurrection dans le pays de la promesse. He had faith that there will be resurrection in the promised land. C'est un héros de la foi. He is a hero of faith. Il cite beaucoup d'autres. Moïse. He named many more Moses. Qui grandissait dans la maison de Pharaon. Who grew in the house of Pharaoh. Il vivait avec Ramsès. He was living with Ramses.
passage. Ils étaient des amis intimes. They were best friends. Comme cela dérange le monde. Like that is disturbing the world. Quand on dit la même chose, voyez-vous? When we say the same thing, mais Moïse avait la foi. But Moses had faith. Moïse n'a pas regardé à sa position. Moses never looked at his position. Mais il est parti pour libérer les gens qui étaient des opprimés. But he went to set those that were in bondage. Il est devenu un libérateur. And became a freedom. Par la foi, Moïse. By faith, Moses. Il a regardé l'opprobre de Christ. And he looked at a reproach for Christ. Comme une grande richesse que les trésors de l'Égypte. A great wealth of Egypt. Un héros ne regarde pas aux richesses de la terre. And hero doesn't look at the wealth of the mais earth. Il regarde aux richesses de l'au-delà. But he looked at the wealth of beyond. Et Paul continue à citer les héros ici. And Paul keeps on naming heroes. C'est pour dire que dirais-je? And that's why he said, what Paul cite même la prostituée Rahab. He even named the prostitute Aaron. Il cite Josué les enfants d'Israël. He named Joshua the children of Israel. Ils étaient des héros de la foi. They were heroes of faith. Par leur cantique, leur adoration. By their songs and worship. Ils ont tourné les murs de Jéricho 7 fois. They turned around the walls of Jericho 7 times. Par leur foi, les murs de Jéricho étaient tombés. By their faith, the walls of Jericho fell. Il cite même la prostituée Rahab. He even named the prostitute Rahab. Tu vois, frère Branham dit, un héros ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas de faute. Now, you see, Brother Branham says that a hero is a person that has faith. Qui peut dire amen? Who can say amen? Un héros peut avoir beaucoup de manquements même dans sa vie. And a hero can have a lot of failures in his life. Mais la chose qui fait de lui un héros, but the thing that makes him sa foi, il peut faire les choses que les autres ne pourront jamais at faire. Times, he can do things that others will never do. Il n'a jamais dit qu'un héros c'est quelqu'un qui n'a pas de faute. Non, Abraham non, non. Never said that a hero is a mais person un héros c'est un courageux. But a hero is a courageous parce que person. La foi c'est aussi le courage. Because faith. It also un héros, c'est quelqu'un qui fait les exploits là où les autres ne pourront jamais le faire. And hero, it's a person that does wonders, even oh, a place that others my, cannot. Quelle bénédiction pour une prostituée. Now, a blessing for a prostitute. Il y avait des meilleures femmes dans la ville. There were better women in the city. Mais elle, une prostituée. But the taking of a prostitute. Elle a manifesté son héroïsme. She a prostitute. She manifested a hero. Elle a risqué sa vie. She had risked a life. Elle n'a pas eu peur du gouvernement qui était en cet âge. She was not scared of the governing movement. Elle a gardé les espions dans sa maison. She kept the spies in her house. Au risque même de sa vie. She even risked a life. Au risque même d'être arrêtée. And a risk of her c'est being pourquoi arrested. Il a mis le fil cramoisi. That's why she put the leaf. Et quand l'ange de la mort a détruit Jéricho, when the angel of Dieu s'est souvenu de cette femme-là héroïne. God remember that hero woman. Un héros a hero ne regarde pas ce que les gens disent de lui. Doesn't look at what people says of un him. Un héros regarde à ce qu'il fait pour Dieu. And hero looks at what he does c'est for God. Vous devez garder les espions humains. That's why you must keep spies. C'est pourquoi Rahab est le type de l'épouse. That's why Rahab is the type of the bride. L'épouse du temps de la fin. The end time bride. Elle gardera les espions. They will win. On a dit les espions sont les bandes et les brochures que nous gardons dans nos maisons. Abraham says that the spies are the spoken words and brochures that we keep oh, in our homes. Oh, j'attends quelqu'un dire amen. I'm waiting for a person to say amen. Il y a ici plus que la prostituée Rahab. There is a greater than a prostitute Arab here. Le monde dit que Abraham est un faux prophète. While the world is saying that Abraham is a false prophet. Il n'y a rien dans ces prophètes là. There is nothing in that prophet. Il y a une prostituée ici à l'église. But there is a prostitute here in the church. Qui garde les bandes et les brochures. Who's keeping the tapes and nous the spoken nous garderons la voix du septième ange. We'll keep the voice of the seventh angel. Parce que quand l'ange de la passe, because when the angel of death passes, nous allons appliquer les signes. We apply the doctrine. Praise God. Praise God. Un héros, a hero, peut avoir des fautes, can have faults, même des manquements, even failures. Mais la différence, but the difference, lui fait des exploits. He does wonders. Là où les autres ne pourront jamais where faire. Where others cannot do. Un héros et David et Paul dit oh man. Paul says those man. Que dirais-je, le temps me manque voilà. Oh what can I say time make Paul a dit que le temps même l'a manqué. Paul says he lacks even time. Tous les héros de la foi. To name all the heroes of car faith. Le temps me manque pour parler de Gédéon. Because I have no time to speak about Gédéon. Gédéon Dieu lui a appelé vaillant héros. God called Gideon great warrior. Parfois femme a dit tu peux être un héros mais tu ne le sais pas. But Abraham says that at times you might be a hero mais but you do not know. Il faut que Dieu envoie un ange vers toi. God need to send an angel toward pour you. Pour te révéler la chose que Dieu a mis en toi avant la fondation du monde. To reveal unto you the thing that God has put in you before the foundation of the world. Par ces principes on ne devient pas un héros. No, you by the principle we do not become a hero. On ne le devient pas. We do not become mais a hero. Mais on est un héros. But we are born a hero. On ne devient pas un leader. We do not become a leader. Mais tu dois naître un leader. But you must be born a leader. L'héroïsme, ce n'est pas les études. Heroism, it's not studies. Mais on est un héros. But we are born a hero. Regardez, Gédéon est un héros. Now look, Gideon, he was born a hero. Mais il ne le savait pas. But he did not know il était même idolâtre. He was even an idol mais quand l'ange est venu à lui, but when the angel came il to dit, him, veillant héros. He says, great warrior. Il dit, crois-moi, je suis un héros. What I mean,
hero. Il dit, c'est toi l'héros. You are the hero. Tu peux libérer le peuple. You can set free the children. Et il a compris la révélation. And he understood the revelation. Il a fait les exploits. And he did wonders. C'est la même chose avec beaucoup d'entre vous. It's the same thing with many amongst you. Nous venons à l'église. We come to church. Dieu a envoyé un messager. God sent a messenger. Parce que l'épouse elle-même. Because the bride herself. Elle sera une héroïne au temps de la fin. Will be a hero at the end time. Qu'est-ce que le temps me manque de parler de Gédéon? I like time to speak de Barak, about Barak, hein, de Samson. Samson. Voyez-vous, Samson a commis beaucoup d'efforts dans sa vie. Samson committed a lot of mistakes. Mais il était un héros. But he was a hero. C'est pourquoi un héros ne meurt jamais. That's why a hero never dies. C'est pourquoi Dieu se souvient toujours des héros. That's why God always remembers heroes. Parce que c'est une alliance éternelle. Because it is an eternal covenant. L'alliance de l'héros, c'est l'alliance éternelle. The hero of the covenant is an eternal covenant. C'est pourquoi Samson, malgré ses fautes, that's why Samson despises his quand il a dit encore une fois, Seigneur, when he says once more, Lord, la puissance s'est manifestée. The power manifested il himself. Est mort plus grand héros que même sa vie. He passée. Died a greater hero than even when he was alive. Paul a dit, je manque le temps de parler de lui de Jephthé. Paul says, I even lack time to speak about Jephthé. Un héros qui avait tenu ses promesses avec Dieu. An hero that kept his promise with God. Jusqu'à sacrifier sa fille. Until he sacrificed his daughter. Et David. And David. Un jeune garçon de 17 ans. A humain, young man of 17 years old. Qui a eu le courage. Who had the courage. Là où Saul avait peur. Where Saul was so afraid. Israël était vaincu. Israel was overcame. Tout le monde avait peur. Everyone fell. Parce que c'était un grand Goliath. Because he was a great mais Goliath. David a dit, mais qui est cet homme-là? But David says, who is that man? Qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? Who is busy insulting the Fabana army of God? La malchance d'un lâche dans la vie. C'est quand tu es en train de défier Dieu. It's when you are challenging God. Que tes paroles de défi tombent sous les héros, les oreilles d'un héros. And your words of challenges falls on the ears of a hero. Fabana dit, c'était la malchance de ce grand Goliath les jours-là. Que ses insultes tombent sur les oreilles de David. That his insult fell on the ears of David. Regardez, c'était un petit enfant. No, look, he was only a little child. Un héros ne regarde pas l'âge. A hero doesn't look at the age. Saul était là. Saul was there. David était un jeune garçon de 17 ans. David was a small young boy. Mais il a dit que je peux tuer cet homme. But he said, I can kill this man. Fabanabi n'avait ni la vision. Bible says he had no vision. Ni une prophétie. No prophecy. Mais il avait la foi en lui-même. But he had faith in himself. Quelle était la foi qu'il avait? What was the faith that il he had? Il avait la foi aux paroles de Samuel. He had faith in the word of Samuel. Samuel lui avait dit que David, Samuel told him, David, tu ne mourras pas. You will never die. Tu deviendras roi d'Israël. You become the child, the il king avait of la foi en ça. He had faith in that. Que aussi longtemps je ne suis pas encore roi, that as long as I'm not yet a rien, king, rien ne peut me tuer. Nothing may kill me. C'est ça la foi. That is faith. Il croyait à ce que Dieu avait fait de lui. He believed in what God has made of him. Et il est devenu le grand héros d'Israël. And he became a great king of Israel. C'est pourquoi les femmes ont chanté sur l'héros. That's why the women sang on the hero. Que Saul a tué 1000. That Saul killed 1,000. David a tué 10 000. But Samuel, un héros de la foi. Samuel, un héros de la foi, les prophètes. Samuel, the hero of faith. Ils ont vaincu les royaumes. Bram said that they overcame the king. Paul les confie, ils ont vaincu les lions. Paul said ils ont eu des guérisons dans leur corps. And they had healing in the les soul. Femmes ont eu les enfants. Women had jobs. Ils ont été lapidés, jetés dans les prisons. They were stoned and cast in prison. Fabian a dit à cause de leur héroïsme. Bram says because of the heroism. Mais remarquez, malgré tous ceux qui étaient là, les héros de la foi de l'Ancien Testament. Despise all that they were heroes of faith. Paul dit tout cela, la foi de quel il a rendu témoignage. Paul says all that they've rendered testimony. Tous ces morts-là, ils n'ont pas obtenu. Ils n'ont pas obtenu. All those never gained. C'est à qui il avait été promis pour eux. That which were promised for them. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur en nous. God have seen greater things in afin us. Afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. So that they may not get through us, but by perfection. Tous ces gens ici attendaient la nuée de gloire. Now all those people were waiting for the pillar of God. Ils ont manifesté leur héroïsme après la chute d'Adam. They manifested their heroship after the manifestation of mais Adam. Ils attendaient le jour où le livre de la rédemption viendra. But they're waiting for the day that the book of redemption will come. Ils attendaient le jour de la rédemption. They're waiting for the day of redemption. Oh, mes amis, ils n'attendaient même pas la mort de Jésus à la croix. Oh, non. They were not even waiting for the death of Jesus at the ils cross. Ils attendaient le jour où Dieu va restaurer l'homme. They're waiting for the day that God will restore a man. Ils attendaient le jour où l'ange puissant descendra avec le livre. They're waiting for the day that a mighty angel will descend. Mais la Bible dit ils ont salué ça de loin. But the Bible says that they greeted from afar. Chacun d'eux avant la mort, il a vu ça de loin. Each one of them, they saw it from afar. Probablement l'événement de 63 était vu depuis le jardin de Dieu. Bible says that the event of 63 was
a été ouvert, that when the seals were opened, il y a eu silence. There was a silence. Les anges ne pouvaient pas comprendre. Angel could not understand. Mais où est-ce que le grand Dieu part? But where is the great God going? Il descend dans Apocalypse chapitre 10. He comes down in Revelation chapter 10. La perfection ici que la Bible dit. But I'm saying that the perfection that the Bible speaks about la here. La perfection était quand le souverain sacrificateur. The perfection was when the high priest. Devait entrer derrière les pots de blaireaux. Started to go behind the quand il entrait, when they go in, c'était la preuve de la perfection. It was the proof of perfection. Sans nous, ils ne parvenaient pas à la perfection. Without us, they could not get into perfection. Dieu a jugé bon que c'est nous la perfection. God had judged wise that it is us the perfection. Mais en quoi nous sommes la perfection but en ces derniers jours? Perfect in these last days. Nous sommes la perfection parce que. But I'm saying that we are perfection because la parole parfaite est venue. The perfect word has come. Le parfait est venu. The perfect has come. La correcte interprétation de la parole. The correct interpretation of the word. Pas seulement que cela est venu. Not only that it came. Mais Dieu est venu habiter dans les peaux des blaireaux. But God came to dwell in the animal of God. That's why God preached, but Abraham preaches the God, mighty God. Dévoilé devant nous. Unveiled before il dit que quand us. Nous croyons ça, he says when we believe that. C'est ça la perfection. That is perfection. C'est messager le ministère de la perfection. This messenger has got a ministry of perfection. Pourquoi la perfection? Why perfection? Le Dieu parfait qui entre dans un corps né dans le péché. The perfect God that comes in a body born of sin. Et tous attendaient ce jour. All of them were waiting for this day. L'héroïsme devait avoir une récompense. The heroship had to have a reward. Et la récompense nous a été donnée dans ces derniers jours. And the reward was given to us in this last day. Oh, ils étaient des héros de l'Ancien Testament. Oh, they were heroes of the last or of the Old Testament. Mais en réalité, ils étaient l'ombre. But I'm saying, in reality, they were just a shadow. Mais nous sommes dans la réalité ici dans les derniers jours. But here in this last day, we are in reality. Quoi qu'un frère Branham prêche la prédication, la foi. That's why when Branham preaches the preaching faith. Parce qu'un héros c'est quelqu'un qui a la foi ici. Because a hero is a person who got faith. Et remarquez la première déclaration qu'un frère Branham a commencé à les citer dans cette prédication là. Now look at the first statement that he makes when he starts naming. Dans la prédication la foi, frère Branham, paragraphe 19, il dit. In the preaching faith, he says. Il dit d'abord, il y a des lâches. Now he says they are cowards. Qui meurent 10,000 fois pendant qu'ils sont ici sur terre. That dies 10,000 times while they are still here on earth. Oh, dites amen au grand prophète. Say amen to the big prophet. Des lâches dans la vie. Cowards knife. Ils meurent 10,000 fois. They die 10,000 times. Pendant qu'ils sont ici dans la vie. While they are still here on earth. Ils sont lâches. They are cowards. Mais un héros. But a hero. Ne meurt jamais. Never dies. Je vais entendre un grand amen. I would like to hear amen. Un héros ne meurt jamais. A hero never dies. Sa mémoire subsiste par suite de ses hauts faits héroïques. His memory lasts after all his hero deeds. Les lâches meurent 10,000 fois. Cowards die 10,000 times. Les lâches ici, amen. Cowards in amen. Un frère lâche, une sœur lâche. A coward brother, coward sister. Tu vas mourir 10,000 fois pendant que tu es vivant. You will die 10,000 times while you're still alive. Mais un héros. But a hero. Ne meurt jamais. Never dies. Ça c'est les paroles de William Branham. These are the words of William Branham. Sa mémoire subsiste. His memory remains. Par la suite de ses hauts faits héroïques. By the deed of his heroship. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas être un lâche, mon frère. That's why in life you must not be a coward. C'est pourquoi Frère Branham lui-même a cité quelques héros de ce temps. That's why Branham names few heroes of his time. Il a cité les héros même dans la politique et dans l'État. He even named heroes in the politics and in the state. Branham a cité parfois par exemple George Washington. Branham at times even named George Washington. Il dit que c'est un héros. He says he is a hero. Il était là, il n'avait pas une grande armée. He was there, he never had a great army. Mais tout le monde était lâche autour de lui. But all people were cowards all around him. Mais il savait qu'il combattait pour que les Anglais libèrent les États-Unis. But he knew that he was fighting so that English can leave the United States. Dans la prédication persévérée. In the preaching persevering. Frère Branham, il a prié toute la nuit, George Washington. George Washington prayed the entire night. Il avait une petite armée, il n'avait même pas de boots. He had a little army, did not even have boots. Mais il savait qu'il combat pour une chose juste. But he heard that he was fighting for a right cause. Et ils ont vaincu l'Angleterre. And he overcame Germany. Frère Branham dit Abraham Lincoln c'est un héros pour les États-Unis d'Amérique. Branham said that Abraham Lincoln is a great hero for so example, vous voyez, son nom ne disparaît pas aux États-Unis. That's why you see that his name never disappears. Mais tous les lâches qui vivaient avec lui, on n'en parle même pas d'eux. But all the cowards that were living with him, they don't even speak about him. Persévéré, Frère Branham dit un héros persévère. In perseverance preaching, Branham says that a hero perseveres. Et persévérer veut dire persister en poursuivant un but. And to persevere means
le nom des villes en son Washington. That's why they put the name of cities in his name, Washington. Pourquoi city. Il était un héros? Why? For he was a hero. Il n'avait même pas une grande armée, frère Branham. He never even had a great army, brother Branham. Il avait seulement des simples paysans. He only had little citizens. Mais son héroïsme, il a vaincu le royaume d'Angleterre, l'armée la plus puissante. His heroism had made him to overcome the king of England, for he was having a little. Fondateur des États-Unis d'Amérique. He was called the founder, the father of founders. Branham, j'ai beaucoup de respect envers George Washington. A lot of respect for George Washington. Il cite Abraham Lincoln. He named Abraham Lincoln. Il dit que c'est un héros de la foi. He says he's a hero of faith. Il est né en 1809, 100 ans avant Frère Branham. He was born in 1809, 100 years before Brother Branham. Il est de Kentucky comme Frère Branham. He's from Kentucky like Brother Branham. Branham dit qu'il n'était pas allé à l'école. Branham says that he never went to school. Il a appris à écrire par terre. He learned to write down. Il a lu seulement deux livres dans sa vie. Branham says he only read two books in his il life. Lisait tous les jours la Bible. Every day he was reading the Bible. Le livre sacré des héros. The sacred book of heroes. Et il lisait le livre des martyrs. And he was reading the book of martyrs. Mais frère Branham, il était loin. Branham said that he was anointed. Il dit, qu'est-ce qui a fait de lui héros? What made him a hero? Un jour, one day, il était parti dans une ville des États-Unis. He went in a city of United States. Il a vu comment les blancs essayaient de maltraiter les noirs. He saw how white mistreated the slaves. Il a juré, il dit que Seigneur, he swore and he said, Lord, si tu me laisses vivre, if you can allow me to laisse-moi live, combattre. Allow me to fight. Pas pour moi, je suis un blanc. Not for myself, I'm a white. Un héros ne combat pas pour lui-même. A hero doesn't fight for himself. Il était un blanc. He was white. Mais il voulait combattre pour les noirs. But he wanted to fight for the black. Il dit, je vais détruire ceci. He says, I will destroy this. Frère Branham, l'onction de l'héroïsme qui était en lui. Frère Branham said, the anointing of heroes that s'est was manifesté. In him. Manifest. C'est pourquoi en 1860, that's why in 1960, il a été voté comme sénateur. He was founded, voted et en 1863, and in 1863, il a signé la déclaration de l'abolition de l'esclavage. He signed the abolishment of slavery. Et tous les noirs des États-Unis ont eu la liberté. And all black in America had the freedom. Et il est mort en 1865. And he passed on in 1865. Il a versé son sang, les blancs l'ont tué. He shedded his blood for white. Mais Branham dit son nom est resté Abraham Lincoln. And Branham said that his name remained Abraham Lincoln. C'est pourquoi Branham dit un jour il jouait avec ses enfants. That's why Branham said that he was playing with his children. Nous croyons que les jeux de Frère Branham c'est la parole. We believe that even the jokes of Branham are the words. Oh, j'ai pas entendu un amen. Can I hear amen? Ses enfants lui demandaient papa. His children were asking him, il daddy. Il dit, mes enfants, vous savez? He says, my children, you know. Il y a trois grands de Kentucky. There are only three great men in Kentucky. Il y a Abraham Lincoln. There is Abraham Lincoln. Il y a Daniel Boone. The giant Daniel Boone. Et votre père. And your father. Et mes enfants, frère Branham, tu es en train de jouer, tu es en train de mentir. And the wife made him say, brother, I'm not lying. Mais Daniel savait qu'un prophète ne ment pas. Mais they never knew that the prophet doesn't et jusqu'à la fin du monde, that until the end il n'y a of the que world, trois grands qui sont sortis de Kentucky. There are only three great that came out of Kentucky. Branham dit que regarder sa vie est comme la vie d'Abraham Lincoln. Branham says, look at his life and it's like the one of Abraham, Abraham Lincoln. Lincoln avait un nom à 7 lettres, Branham avait 7 lettres. Abraham and Kentucky, Lincoln had a number of 7 letters, comme just like Branham. Né en 1809, Frère Branham en 1909. Born in 1809, just like Branham in 1909. Dans une cabane, Frère Branham dans une cabane. And in a little house in a cabine, just like Branham. Dans l'écart de 100 ans, in a space of 100 years, they had the distance of 100 miles. L'écart de la naissance. The distance of the birth. Regardez que John, il a été voté comme sénateur en 1860. Now look at John, he was voted as a senator in 1960. Et Frère Branham a été voté comme chef en 1960. Frère Branham was voted as a chief in 1960. Quand il est entré au ciel, when he got into heaven, il était assis dans une haute chaise. He was sitting in a upper et chair. Et tous les saints ont voté, ils ont dit, and all saints voted and said, notre précieux frère, our precious brother, notre héros, our hero, si tu n'étais pas venu, if you never came, nous ne serons pas ici. We wouldn't have been here. Gloire à Dieu. Glory to God. Il dit, sur la terre, tu étais chef. He says, on earth, you were a chief. Abraham Lincoln a libéré les gens, les jubilés, en 1863. Abraham Lincoln made people free in 1863. Qu'est-ce qui est arrivé en 1963? What happened in 1963? L'ouverture de sceaux. The opening of seals. Le septième ange sonne la trompette du jubilé de toute l'humanité, l'histoire de la rédemption. Sound the trumpet of jubilee of all the story of comme redemption. Il était mort en 1865 à 56 ans exactement comme Frère Branham. As he died in 1865 just like Brother Branham.
Et Frère Branham aussi est mort en 1965. Frère Branham also passed on in 1965. Il dit Abraham Lincoln, c'est un héros des États-Unis d'Amérique. Abraham says that Abraham Lincoln is a hero of United States. Il dit les Noirs d'Amérique pleurent quand vous leur parlez d'Abraham Lincoln. The black of America cries when you speak to them about Abraham Lincoln. Il les a libérés de l'esclavage. He set them free of the slavery. Branham parle même des Fidel Castro ici de Cuba, qui est vivant. Abraham speaks about Fidel Castro from Cuba, who is still alive. Dans les premiers sons, il dit que c'est un héros. First seal, he said that he is also a hero. Quand il parle de crise économique, Frère Branham, when he speaks about economical crisis, il dit que tu vois les États-Unis n'auront pas les moyens de s'en sortir. He said that the United States of America will never have the means on how to come out. J'apprécie ce que cet homme Castro a fait pour sa nation. I appreciate for what Castro did for his nation. Il est encore là, c'est un héros qui est sorti de la bouche de Frère Branham. He's still alive. He's a hero that came out of the mouth of Frère Branham. Parle d'Arnold de Suisse. Branham is speaking about Arnold from Sweden. Un héros dans cet âge encore. A hero of this age again. Lisons un peu pour lui là pour gagner du temps. Dans la perfection, Frère Branham dit. Paragraphe 86, il dit, un jour là-bas en Suisse. He says one day in Sweden. Lorsque la Suisse a été attaquée. When Sweden was attacked. La petite armée suisse est ruinée dans les champs. The little Swiss army was squeezed in the field. Pour défendre leurs biens. To take care of the goods. La grande armée envahissante était trop grande pour eux. The great army was so great for them. Ils s'étaient entraînés, cette grande armée. They were trained, that great army. Ils avaient des grandes lances. They had a great arrows. Et des boucliers. And weapons. Les Suisses ne pouvaient rien faire d'autre que d'abandonner. Sweden couldn't do anything other than to surrender. Ils étaient acculés contre une montagne. They were all around the mountain. Alors il y a eu le héros qui s'est avancé. And there was a hero that stepped forward. Quelqu'un devait mourir. A person had to die. Et s'il perdait la bataille, and if they lose the battle, il n'avait rien d'autre que des vieilles lames et des fossiles. He had nothing other than just little et des pierres et des bâtons pour se battre. And stones and sticks just to fight with. Alors que l'armée envahissante avait l'air d'un mur de briques. While the army that they were surrounding them had the shadow of a great wall. S'ils étaient pris leur charmante petite femme serait enlevée. Now, if they were of a great charm, they could have taken leur off. Jeune fille serait enlevée. The little daughters were leur supposed bébé to be taken serait tué. The babies could have been killed. Leur tête fracassée. The head broken. Leur maison serait détruite. The house is broken. Tout devait être perdu. Everything could have been lost. Alors, then, il y a un homme d'elle dont le nom a été trop rapidement oublié. There was a man that his name was quickly forgotten. Appelé Arnold Wickenfried. His name was called Arnold von Wickenfried. Il est sorti du rang et il dit, he came out of the rank and said, citoyen de Suisse. Citizen of Sweden. Aujourd'hui, je donne ma vie pour la Suisse. Today, I'm giving my life for Sweden. Oh, dites amen à cela. Say amen. Il dit juste au-delà de la montagne là-bas. It says right there on mountain over there. Il y a une petite maison blanche. There is a little white house. J'ai une femme. I've got a woman. Et trois enfants qui m'attendent. And three children waiting for me. Mais ils ne me verront jamais. But they will never see me no more. Car aujourd'hui, for today, je donne ma vie pour la Suisse. I am giving my life for Sweden. Ils ont dit, que vas-tu faire, Arnold? He says, what are you going to do, Arnold? Il a dit, suivez-moi. He says, follow me. Et faites de votre mieux ce que vous avez à faire. And he says, do your best what you can. Il a observé l'armée jusque là qui se trouvait à l'endroit le plus garni des lances. He watched the army that was standing all over the world. Il a levé les mains en l'air. And he lifted up his hands. Il a couru vers le mur de lance en criant. He ran toward the walls and the arrows. Place à la liberté. He says, place to the freedom. Place à la liberté. Place to freedom. Une centaine de lances se sont tournées pour arrêter sa charge. Hundreds of arrows came toward him to il stop a écarté him. Ses bras. He left up his hands. Et les a rassemblés sur son propre corps. And gathered them all together in his own body. C'est cloué au sol. And he il est mort au bout de ses lances. He died around his arrows. Les Suisses l'ont suivi avec des massues de bâtons. Sweden followed him with sticks cette and weapons. Grande démonstration d'héroïsme. That great demonstration of heroism. A dérouté cette armée-là. It's turned that si army. Bien que les Suisses les ont repoussés hors du pays. Despite the fact that the Sweden led them all ils out of n'ont the jamais plus eu de guerre depuis ces jours-là en Suisse. They never had war since that day in Sweden. À cause de son héroïsme. Because of his heroism. Aller en Suisse. Go to Sweden. Maintenant, et prononcez le nom d'Arlord. Go and name the name of Arnold. Vous verrez les larmes couler le long de leurs joues. And you see tears dropping down in pourquoi? The why? Il a sauvé leur pays. He saved their c'était country. L'exploit d'un grand héros. It was a wonder of a great hero. Il a été rarement égalé et jamais surpassé sur cette terre. He was rarely taken out of this place on earth.
Qui peut dire un grand merci? Who can say great amen? Il a été rare égalé. Rarely heroes taken away. Voyez-vous cet homme ici, c'est un héros. Scarcely. And look at this man, he was a hero. C'est pourquoi depuis ce jour-là jusqu'au jour, la Suisse n'a pas de guerre. That's why look at Swiss and since that day until now they don't take un héros ne regarde pas l'intérêt de sa famille. And hero doesn't look at the interest of his family. Il est un homme marié. He was a married man. Avec trois enfants et sa femme. With three children and his Mais wife. Il avait vu que les envahisseurs étaient plus puissants qu'il. But he saw that those that were surrounding them, they were more powerful than et them. Et il ne pouvait pas faire face à, ce, à, ce, à cette armée-là. Face that army. Il n'était pas un lâche comme les frères d'Amen. He wasn't a coward like brothers of Amen. Quand les choses deviennent difficiles, when things become difficult, ils ne viennent plus à l'église. They don't come to church no Quand more. Les choses deviennent sombres, when things become darker, ils n'ont plus le zèle. They do not have the zeal Quand il n'y a plus d'argent, when there is no more money, il n'a plus d'amen qu'il disait avant. Tu vois, c'est être un lâche. See, it's being a coward. Un héros ne regarde pas aux circonstances. And hero does not look at circumstances. Cet homme ici, il y avait les problèmes. Une armée plus puissante que. Now there was a problem. An army greater than their Et il ne représentait rien devant cette armée. They represented nothing in front of that army. Et Branham dit, il y avait encore une montagne là. And Branham said that there was again another mountain over there. Comme une malédiction. It's just like a curse. Une puissante armée, vous n'avez pas rien à faire devant eux. A powerful army, and you've got nothing to do in front of them. Il y a aussi la nature qui est pour votre désavantage. And there's again nature which is for a disadvantage. Et tout le monde devait lâcher prise. And everyone had to forsake. Un héros ne lâche pas. And hero doesn't forsake. Un héros n'est pas un traître. And hero is not a betrayal. Un traître, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller au bout. A betrayal is a person who cannot God. Go to the end. Il croit aujourd'hui, demain il lâche. He believes today and tomorrow it leaves. Il est joyeux aujourd'hui, demain il lâche. He's happy today and tomorrow it leaves. Il vient à l'église aujourd'hui, demain il ne vient plus. He comes today, tomorrow and he doesn't come non, no more. Un héros ne regarde pas aux circonstances. And hero doesn't look at circumstances. Même si la nature devient contre eux. Even if nature becomes against him. Il peut dire que même Dieu est contre vous. A person can even say God is even Mais against la foi d'un héros va au-delà de But ce que Dieu pense. The faith of a hero goes beyond that. Regardez cet homme ici, mon frère. Look at this man right Il here. N'a pas lâché. He never gave up. Il n'a pas lâché, mes frères. He never gave Il n'était up, pas un lâche. He wasn't a coward. Oh, gloire soit rendue à Glory Dieu. Be to God. Pour Arlor de frère oh, Branham. Si Amen pouvait avoir des gens comme ça. If Amen can have people like this. Si Amen pouvait avoir des frères et des sœurs comme if ça. Amen, Amen can have brothers Il ne regarde like pas, on n'a plus d'argent, non. They do not look at no more that you don't have money. Il ne regarde pas, on n'est plus trop nombreux, non. They do not look more that you don't know more many here. Mais il a dit, no. Mais si je laisse ici, But he said that if I leave now, nos femmes seront prises. Our wives will be nos taken. Enfants seront prises. Our children will be nos taken. Maisons seront prises. Our house C'est will ça une rogue. But that Et si je laisse ici, that if I leave right l'église here, sera prise. The church will be taken. On manquera l'île d'adoration. We'll lack a place of worship. Il a dit, maintenant, he says, no, moi je vais donner ma vie. I'm gonna give my life. Les lâches lui ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? But the coward is saying, what are you gonna do? Un héros a toujours une inspiration a qui vient vers Dieu. Always have an inspiration coming Dieu from God. Inspire les héros. God inspires heroes. Il a dit, il a prononcé son dernier testament. He pronounced his last testament. Il dit, sur la montagne là-bas en Suisse. On mountain day Swiss. J'ai une femme qui m'attend. He says, I've got a wife waiting for J'ai me. Trois enfants qui m'attendent. I've got three children waiting Mais for ils me. Ne me verront plus. But they will never see voilà me un héros. That is a hero. Un héros ne fait pas à cause de sa famille. And hero doesn't do because of his family. Il peut sacrifier sa famille He can sacrifice his family pour l'intérêt des autres. For the interest of others. Qui peut le faire ici, amen. Who can do it here? Les gens viennent à l'église. Moindre problème. Quand l'homme a des problèmes, la femme aussi a des problèmes. When a man has got a problem, the wife also got a problem. Quand la femme a quitté l'église, l'homme aussi a quitté When l'église. The wife leaves the church, the Quand wife l'homme a quitté l'église, la femme aussi a quitté l'église. When the wife leaves, Quand the wife un ami leaves. A quitté l'église, moi aussi When j'ai quitté a leaves, I'm also Tu n'es pas the un héros. You are a hero. Vous n'étiez pas venu de la révélation le même jour. You never received the revelation the same day. Le christianisme, le salut est individuel. Christianism, salvation is individual. Je ne serai pas sauvé moi et ma femme. Non. C'est un problème individuel. It is an individual problem. L'appel de l'épouse, c'est l'individu, amen. The calling of a bride Pas is an group. Individual thing, not a group. Pas un groupe. Not a group. Praise God. Praise God. Il a sacrifié sa famille. He sacrificed his family. Qui peut sacrifier sa famille pour ce message? Who can sacrifice his family for this message? Dans les messages, vous commencez les choses de famille. In a message, you have started things of family. Rassemblons-nous comme ça, nous venons de tel endroit. Let's gather because we come from Un this place. Un héros sacrifie sa famille. A hero sacrifices his family. Pour l'intérêt des faibles. For the interest of the wicked. Voilà un héros. That is a hero. Un héros ne va pas là où les gens sont puissants. A hero doesn't see where people are powerful. Un héros vient au milieu des gens faibles. A hero comes where people are weak. Un héros ne va pas au milieu des gens des vainqueurs. A hero does not go into what people Un are héros vient là où tout le monde sont vaincus. A hero comes where people are Un héros ne va pas là où il y a l'espoir. A hero does not go where there is hope. Il vient au milieu d'un peuple
désespérés. It comes in where the people that are oppressed. C'est là où lui vient pour leur donner l'espoir. That's where he comes to give them hope. Au milieu d'un peuple désespéré. In the middle of the hopeless people. Ils ne savent pas quoi faire. They do not know what ils n'ont plus d'espoir. They do not have hope. Mais c'est là où un héros apparaît. But that's where a hero appears. Et tous les temps. At all time. Un héros apparaît là où il y a le désespoir. A hero appears where there is hopeless. Et c'est lui qui devient l'espoir. And he becomes the hope. C'est ça un héros. That is a hero. Il peut réussir là où les gens ont échoué. He can succeed when people have fallen. Un héros ne regarde pas où les gens ont échoué. A hero doesn't look at when people have fallen. Même si 1000 personnes ont échoué. Even 10,000 have fallen. Moi, je suis un héros, j'ai réussi. I'm a hero, I will succeed. Hallelujah. Hallelujah. Les gens viennent à Djobou. People come in Johannesburg. Je vais quitter le pays. I'm leaving the country. Il y a plus du boulot. There is no more je job. Vais aller ailleurs. I'm going elsewhere. Pas un héros. But not a hero. Un héros reste là où il y a a la parole. Stay where there is the word. Reste là où il y a la parole. But I'm saying, stay where there is the word. Restez là où vous êtes béni par la parole. Stay where you are blessed by the word. Un héros sacrifie sa famille. A hero sacrifices his family. Et qu'est-ce qu'il a fait? And what did he do? Il avait une stratégie héroïque. He had a strategy, a hero strategy. Il voyait beaucoup de lances là-bas. He saw a lot of arrows there. He only lifted up his hand. Un sacrifice. A sacrifice. Il a crié honneur à la liberté. He shouted honor to liberty. Et il a couru. And he ran. L'armée la plus puissante a eu peur. The mighty army was scared. Mais où va ce Thomas? Where is this man going? Il est fou comment? Is he mad or something? Un héros parfois devient fou devant les gens. A hero at times he becomes mad. Mais c'est ça un héros. But that is a hero. La folie pour le monde c'est la foi pour Dieu. Madness for people it is faith for God. Il a couru. And he ran. Vous suivez moi c'est là. And he just said, you all follow me. Oh un héros c'est un leader. Oh a hero is a leader. Un héros c'est un leader. A hero is a leader. On ne conduit pas un héros. We do not lead a hero. Mais c'est lui qui vous doit vous conduire. But he is off to lead you. Suivez-moi seulement. Just follow me. Et tous les lances sont entrées en lui. And all the arrows got into him. Quand il est tombé. And when he fell. Les gens là ont dit que mais cet homme ici est dangereux. People said this man is dangerous. Ils pensaient que ces gens-là avaient des hommes comme ça toute l'armée. They thought that people got such. They thought that. Mais oh, il y avait un seul héros. Had this type of people. Et les autres sont venus là, ils les ont battus. But only had one hero. Depuis ce jour-là, Arnon est devenu le héros de la Suisse. From that day, Arnold became the hero of Switzerland. Si vous parlez de lui en Suisse, but I'm saying that if you speak about him in Switzerland, vous allez voir les gens en train de pleurer. You see people crying. Mais tous ceux qui vivaient avec lui sont partis. And now all those were living with him. Le nom d'un héros ne s'efface jamais. The name of a hero is never been erased. Parce que Dieu écrit ça dans son bureau. Because God writes it upon. Mettez vos noms dans l'histoire de la rédemption. Put your name yes, in the story of redemption. Toi, sœur d'Amen, frère d'Amen, ton nom, on se souviendra de toi en quoi? Your name, how are we going to remember you? Quand est-ce qu'on citera ton nom un jour même après ta mort? When are we going to name you even after your death? Et les gens vont pleurer, dire, oh, s'il était là. People are going to cry and say, oh, if he was il here. Il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Regardez mes sœurs ici. Now look c'est at un héros de la foi. He's a hero of faith. Voyez-vous mes frères? You see my brothers? C'est ça un héros, les actions héroïques. This is a hero, hero actions. Un héros sacrifie sa vie. Hero sacrifices his life. Pour les intérêts des autres. For the interests of others. Un héros sacrifie sa famille. A hero sacrifices his pour les intérêts des autres. For the interests of others. C'est pourquoi Mandela c'est un héros. That's why Mandela is a hero. Par le même principe. By the same principle. Regardez, il a vaincu le principe de l'amour. Notice, he overcame the principle of love. Le principe de l'amour, c'est la loi mère. The principle of love, it is the mother law. Les gens ont parlé de l'amour. People spoke about love. Jésus nous a parlé de l'amour. Jesus spoke to us about love. Mais il a laissé ça comme un mystère. But he left it like a mystery. Au jour de la voix du septième ange. The day of the voice of the seventh angel. Abraham a défini qu'est-ce que signifie l'amour. But Abraham defined what is love. Parce que ça c'est la venue de l'amour. Because this is the coming of love. Il dit l'amour. He says love. C'est la poursuite du bien-être de l'autre. It is following the welfare of another. Sans regarder à tes intérêts. Without looking at your own interests. Je vais entendre un grand amen. I would like to hear a big amen. Oh nos femmes nous disent je t'aime chérie. Oh our wives are busy telling us I love you honey. Est-ce que tu connais qu'est-ce que signifie aimer? Do you know the meaning of loving? Tu m'aimes parce que je suis beau? You love me because I'm handsome? C'est un intérêt. That is an interest. Le jour où je deviens la face comme un macaque, the day that I will have a shapeless head, cet amour-là ne sera plus là. Then that love will not be no more. Tu m'aimes parce que j'ai l'argent? You love me because I got money? Le jour où je n'ai pas l'argent, cet amour-là ne sera pas money, là. Then that love will be no more. Tu m'aimes parce que j'ai le Saint-Esprit? You love me because I got the Holy Spirit? Le jour où je vais commettre une erreur. And the day that I will commit a mistake. Tu ne vas plus m'aimer. You won't love me no more. Oh, dites amen, mes amis. Say amen, my friends. Tu
Il y a beaucoup de gens, je t'aime, c'est faux. You see a lot of people saying, I love you. Tu ne connais pas qu'est-ce qui signifie aimer. You don't know what is love. Vous parlez d'un amour de vous-même là. You speak about the love of your own. Hein, vous les frères. Yes, you brothers. Oh, je t'aime, ma chérie. Oh, I love you, my sweetheart. Parce qu'elle est jolie. Yes, guys, she's beautiful. Le jour où elle sera brûlée ici. The day she will get burned in the face. Tu l'aimeras encore. Will you still love her? Je t'aime, chérie. I love you, chérie. Parce que tu prépares un gros foufou. Because you cooking a tu sais préparer. You know how to cook. Le jour où elle va mal préparer, tu l'aimeras? No, the day she won't cook well, would you still love her? Je t'aime parce que tu es la seule sœur qui est née de nouveau à l'église. I love you for you are the only woman who's born again in church. Mais le jour où elle commettra l'erreur, but the day she'll commit a mistake. Tu vois, voyez même le choix d'une épouse a été mal prêché. That's why you see even the choosing of a bride was mispreached. Abraham mariait une sœur qui a le Saint Esprit. But Abraham said that. Marry a woman that's got a Holy Spirit. Qui est né de nouveau. That is born again. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Mais il n'a pas dit que c'est ça l'amour. Non, non, but non. But he non. Never said that that is love. No. Si tu la maries parce que seulement elle est née de nouveau. If you love her just because she is born again. C'est un intérêt. That is an interest. Tu peux pas marier toutes les sœurs qui sont nées de nouveau. You cannot marry all the women that's born again. Tu dois l'aimer. You got to love her. Branham dit qu'est-ce signifie l'amour? Branham says what is love? C'est le poursuite. It is following. De son bien-être, how goodness or hell welfare, sans regarder tes intérêts, without looking at your interest. Femme dit que même si Meda devient désobéissant, Abraham said that even though or even if Meda becomes disobedient, elle reste ma femme. She remains my wife. C'est dur là-dessus. Hein? That's hard. C'est ça l'amour. That is love. Et un héros, and a hero, poursuit, follows. Le bien-être des autres, welfare of others, sans ses intérêts, without his interest. Tu vois le monde entier pleure cet homme ici. See the whole world crying this man. Pourquoi on le pleure? Why are we crying him? Pourquoi on le pleure, Mandela? Why are they crying, Mandela? Pourquoi les yeux du monde entier sont tournés? Why is the whole world turned here? Il a laissé le bien-être de sa jolie femme Winnie Mandela because et de ses enfants. He left the welfare of his beautiful wife Winnie Mandela and his children. Il a poursuivi le bien-être de la liberté des Noirs Sud-Africains. He followed the welfare of the freedom of the South African citizens. Accepter 27 ans en prison. Accepting 27 years in pas prison. Pas pour ta famille. Not for your family. Mais pour les autres que tu ne connais pas. But for others which you do not comme even know. Comme je parlais avec les frères hier. Like I was praying je dis que même yesterday. Dans notre église, dans les messages, like je disais ça au docteur. Church, je ne pense pas. Qui peut le faire ici pour amen? Who can do it for qui peut le faire ici? Who can do it here in amen? Poursuivre le bien-être d'Amen Tabernacle. Following the welfare of Amen Tabernacle. Les petites cotisations seulement ici, les gens ne peuvent pas donner. Just low contribution. Ma femme est malade, mes enfants ne sont pas allés à l'école. Vous voyez, ici c'est un héros. Here it's an hero. Et il a vaincu le principe de combattre pour l'égalité. And he followed the principle of fighting for equal rights. Ça, c'est le principe de Dieu. This is God's principle. Que tu sois noir. May you be black. Que tu sois un blanc. May you be white. Que tu sois un jaune. May you be yellow. Ma banane dit, nous sommes égaux. But I'm saying we are all equal. C'est le même Dieu au-dessus de nous. Only God above us. Il a dit que mon combat à moi. This is my battle. Nous voulons vivre comme les égaux. If you like to fight, to live like equals. Il a combattu pour ça. He fought for it. Il a vaincu le principe de la résurrection. He overcame the principle of resurrection. Abraham dit tous ceux qui contribuent. Abraham says all those that contribute. Au bien-être des autres. The welfare of others. Il y a le principe de la résurrection. There is a principle of resurrection. Et il a eu le principe du pardon. And he had also the principle of forgiveness. C'est ça le principe de Joseph. Those are the principles of Joseph. Quand même ses frères l'avaient maltraité. Even though his brother mistreated him. Quand il se révèle à lui. But when he reveals c'est moi Joseph votre frère. I am Joseph your brother. C'est quoi vous voyez vous avez vu le plus grand rabbin juif là au stade. Saw, c'était lui le premier à parler. Il a dit que non il amène le principe de Joseph dans la vie de Mandela. You saw the great rabbin Judah. C'est ça le développement moderne. He brought the principle of Joseph in the Bible. Quand il sort, tout le monde s'attendait qu'il va tuer les blancs. When he came out, everyone expected him to kill il a pardonné les gens qui lui ont fait du mal. But he forgave all those that did him wrong. Il a fait là la loi du pardon. He did there the law of forgiveness. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Il a vaincu le principe là. He left the principle. Il a vaincu le principe là. He left the principle. Les héros entrent dans la catégorie des gens qui seront sauvés sans passer par la nouvelle naissance dont frère Branham parle dans exposé page 258. Heroes are the people that are going to be saved, as Branham says, without them being going through new birth. But Branham speaks about it in Exposition Church Ages, paragraph 258. Il y a certains gens it says certain people qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance that did not go through new birth. Mais ils sont des justes. But are righteous. Auront la vie éternelle. Will have eternal life. À la deuxième résurrection. At the second resurrection.
ils ne sont pas l'épouse. They are not the bride. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Pas même les vierges folles. Not even the foolish virgin. Et ils ne seront pas dans l'enlèvement. They will not be in the rapture. Mais au dernier jugement du trône blanc. But at the last judgment in the white throne. Les gens là qui ont vécu leur vie par les principes d'un héros. Those that live the life in the principle of a hero. Même dit ils entreront. Abraham said they will go in. Dites un grand amen à ça. Say big amen to that. Même s'ils avaient la magie. Even though they had magic. Moïse était un magicien. Moses was a magician. Il a fait la haute magie de l'Égypte. He did the high level of magic. On le préparait pour remplacer Pharaon. Preparing him to replace Pharaoh. Mais il y avait l'héroïsme en lui. But there was an heroism in him. Il ne savait même pas qu'il était juif. He did not even know that he was Jew. Mais c'était l'héroïsme. But it was the heroism. Quand il a vu l'Égyptien maltraiter les Juifs. When he saw the Egyptian, il dit non, tu ne peux pas lui faire comme ça. You cannot do that to them. La Bible dit si on allait avec vous, il a regardé comme au propre. Il a porté le propre de Christ. Il a rejeté le bien de l'Égypte. He rejected the things of Egypt. Moïse est un héros. That's why Moses is a hero. Les héros entreront. Hero will go in. Sans la nouvelle naissance. Without new birth. Ils entreront, mon frère. They shall go in. Mandela a accompli les principes là. But Mandela fulfilled that principle. De la vie éternelle. Of eternal life. C'est comme un arbre. Voyez-vous like ce que Job avait vu. L'arbre de l'espérance. A tree has l'arbre got hope. Ne vit pas pour lui-même. A tree does not live for himself. L'avocatier travaille, il produit les avocats. The avocado he works and produces. Mais l'homme et les animaux mangent ça. But a man and animals eat it. Il a poursuivi les biens des Sud-Africains. It pursued the goodness of South Africa. Il a sacrifié sa famille. He sacrificed his family. C'est un héros, j'ai pas le temps d'entrer pour la vie éternelle. Les catégories des gens là. Category of those people. Dans la vie, c'est pourquoi dans la vie, that's why in life. Dans la vie, in life, il faut être un héros. You ought to be a hero. Ne quitte pas la terre sans que tu sois un héros. Do not leave the earth without you being a hero. Ne dis pas je suis pasteur. Don't say I'm a pastor. Ne dis pas je suis docteur. Don't say I'm a doctor. Même si tu es médecin. Even if you're ou je suis chanteur. Or you're je suis un frère, je suis sœur. Je suis diacre. Je suis young. I am young. Je suis old. I am old. Ça ne dit rien. It says nothing. Faites un effort. Make an effort. Sois un héros quelque part. Be a hero somewhere. Sois même un héros local. Be even a local hero. Parce qu'il y a des catégories des héros. Because there are categories of heroes. Il y a les héros locaux. There are local les heroes. Les héros nationaux. There are national les heroes. Héros régionaux. There are regional les heroes. Héros internationaux. There are international heroes. Tu fais partie de quelle catégorie à Metabernacle? You partake in which category in Metabernacle? Faites un effort dans ta vie. Make an effort in your life. Regardez combien les yeux du monde entier sont tournés ici. Look how much the eyes of the whole world are turned here. À cause d'un héros. Because of a hero. J'aime beaucoup le maréchal Mobutu. I loved so much the maréchal Mobutu. Mais il n'a pas vécu comme un héros. But you know he never left like. Regardez, a hero. Il est mort. See, he died. On l'a enterré sans cérémonie. He passed on without even. Parce qu'il voulait vivre pour lui-même. Because he wanted to live for himself. Il vivait pour sa famille. He was living for his family. Voyez-vous, il a manqué le principe. He lacked the principle. Oh, la parole de Dieu est la vérité. Oh, the word of God is the truth. Les lâches meurent. Cowards. Un héros ne meurt jamais. But a hero never dies. Regardez combien pour la première fois. Now look how much for the first time. Un noir. A black. Mais le monde entier. But the whole world. Les blancs, les jaunes, white, les ceci, yellow, les dictateurs. Dictators. Les communistes. Communist, les capitalistes. Capitalists, les démocrates. Democrats, tous en Afrique du Sud. All of them in South Africa. Il les a unis tous. He united them all. Pourquoi? Why? Il était un héros. He was a hero. Regarde même la maison qu'il a laissée. Même j'ai vu en cours là, il n'avait même pas grand chose. Dans la vie, amen, tabernacle. Faites un effort, sois un héros. Make an effort, be an hero. Sois un héros. Be a hero. Et nous ne sommes pas ça. Et ils sont les héros politiques. They are political heroes. Ou les héros de l'État. Heroes of the state. Mais il faut être un héros de la foi. But you must be a hero of faith. Parce que Malachi 4 vient pour ramener la foi des héros. Je vous enverrai le prophète. I will send you a pour un seul but. For one purpose. Il ramènera nos cœurs. He will bring back our heart. À la foi de nos pères. To the faith of our faith. Ils étaient les pères de la foi. They were the father of faith. Un héros c'est quelqu'un qui a la foi. A hero is a person who got faith. Un héros ne lâche pas. A hero never gives up. Un héros ne croit pas aux échecs. Abraham says that a hero doesn't believe in failure. Un héros croit que même si j'échoue mille fois. A hero believes that even if I fail 10,000 times. Je vais toujours réussir. I will still succeed. Aujourd'hui, nous avons le courant. Today we've got electricity. C'est à cause d'un héros. But because of a hero. Manabi, c'était un héros. Bram says he was a hero. Il dit qu'il a fait 10 000 fils. Bram says he tried 10,000 wires. Il a essayé, échec, he tried, échec, failed, échec, tried, échec, failed, échec. Mais à la 10
millième fil. But in a 10,000 line. Le courant s'est produit. Electricity was produced. C'est pourquoi un héros a la persévérance. That's why a hero has got perseverance. Un héros n'est pas un lâche. A hero is not a coward. Un héros n'est pas déçu. A hero doesn't. Lui, il a toujours l'espoir. He always have got this même hope. Si vous le mettez dans la fosse au lion, even though you put him in a lion's den, il dit mon Dieu est capable de me délivrer. He says that my God is able to set me free. Un héros espère. A hero hopes. Et il a la foi dans ce and qu'il he's fait. Got faith in what he does. Fabanam dit même si je prie pour les malades. Says, even though I pray for the je prie aujourd'hui, il est mort. Demain, il est mort. Après demain, I il est mort. Today, he dies, and tomorrow, he dies, mais je continuerai toujours. But I'll keep on praying. Jusqu'à ce qu'il y aura une guérison. Until there'll be healing. Ce qui manque les frères. What lacks brothers? Pourquoi les églises sont détruites? Why are churches destroyed? Vous n'êtes pas des zéros. You are not vous heroes. N'êtes pas des héros. You are not heroes. Un héros ne vient pas pour les autres. A hero doesn't come for others. Il vient pour regarder si un diacre est bon, je resterai dans cette église. Well, he does not come just to come and check that the deacon is good, I'm remaining in this church. Si le pasteur est bon, je resterai là. If a pastor is good, I'm remaining in the mais church. Connaît-il de toi? But how about you? Un héros. A hero. Il faut être un héros dans la vie. You gotta be a hero in life. C'est pourquoi nous saluons les héros de la foi. That's why we're greeting the heroes of faith. Abraham. Abraham. Oh, gloire soit rendue à Paul. Oh, glory be to God for Paul. Paul ne pouvait pas partir. Paul couldn't leave. Sans citer les héros. Without naming heroes. Abraham. Abraham. Abel. Abel. Joseph. Joseph. Je vais vous dire quelque chose là-dessus. I'm not just something about et it. Tous ces héros de la foi. And all the heroes of faith. Et ce matin, je suis ici. And this morning I'm here. Pendant que les yeux du monde voient l'enterrement d'un héros politique. The hero, all the eyes of all over the world are turning, looking toward d'un héros naturel qui ne fait pas partie de l'épouse parole. A natural hero who does not partake in a bright mes word. Mes yeux reviennent dans la Bible. But my eyes return in the Bible. Dans tout l'Ancien Testament. In all over the whole Testament. Et le Nouveau Testament. And the New Testament. Et le Troisième Testament qui est le message. And the Third Testament which is the message. Et pour saluer les héros de and la foi. To greet the heroes of faith. Nous saluons le Seigneur Jésus-Christ. Oh, we greet the Lord Jesus Christ. C'est lui le grand héros. He is the great hero. C'est lui le héros des héros. He is the hero of heroes. Il a vaincu la mort. He overcame death. Il m'a libéré du péché. He set me free from sin. Je ne suis pas pécheur. And I am not a sin myself. J'ai eu un héros. I have got a hero. Et je ne suis pas guéri aujourd'hui. And I'm not healed today. Par ses meurtrissures. Nous avons été guéris. We have been healed. Alléluia. Hallelujah. C'est le grand héros. Oh, what a great hero. C'est le héros des héros. He is the heroes of heroes. C'est pourquoi les saints l'ont couronné. That's why the saints have crowned him. Après qu'il a vaincu la mort. After he overcame death. Il a vaincu pas pour lui-même. He did not overcame for himself. Il a vaincu pour nous. He overcame for us. Jésus pouvait se marier avoir des enfants. Jesus could get married and have children. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Abraham, il a refusé de le faire. But Abraham said that he refused to do it. Pour vous et moi. For you and I. Il ne pouvait pas aller mourir à la croix. He could not die at the il cross. Était un homme parfait. He was the perfect mais man. Je vais aller à la croix. But I will go to the cross. Pour ces gens ici. For these people. Il est le héros. He is the hero. Il a vaincu les Romains. He overcame il the Romans. Il a vaincu la mort. He overcame il a vaincu le tombeau. He overcame il a vaincu the tomb. La tombe. He overcame the tomb. Alléluia. Hallelujah. Je vais vous dire quelque chose. I'm gonna tell you something. Jésus est le héros de tout le temps. Jesus is a hero of all times. Parce que chaque temps il y a un seul because héros. Each time there is one hero. Mais lui il est le héros de tout le temps. But he's a hero of all times. Mais dans chaque âge. But in each age. Les gens ont vu leur héros. People see their hero. Selon la révélation according de leur to the revelation of the time. Oh my. C'est pourquoi. That's why. Quand il a vaincu. When he overcame. Branham a dit il a arraché la clé de la mort à Satan. He took out the keys from Satan. Et vers 3h du matin. And at 3 a.m. Comme on dit au Chuluba, il marchait comme Wenda Mazunda. That's what we say in Chuluba he was walking with il sortait avec la victoire. He was coming out with victory. Frère Branham a dit Branham says, il a toqué à la porte du paradis. He knocked at the door of paradise. Et comme les saints. And as the saints sont les héros dans la ligne. The heroes in the line. Et le grand héros est venu. And a great hero came. Branham a dit Branham says, Abraham a ouvert. Abraham Adam a ouvert la porte. Adam opened the quand door. Il a vu le héros, when he saw the hero, il dit, oh, he says, oh, Eve, viens voir. Come and see. C'est lui la semence de this la femme. This is the seed of the woman. Qui devait venir. Who had to come. Eve va sauter Caïn. And Eve jumped Cain. Parce que Caïn n'est pas un héros. Because Cain is not a hero. Caïn c'est un homme jaloux. Cain is a jealous man. Il a pris Abel. He took Abel. Il dit Abel. He says Abel. Quand Abel l'a vu. When Abel looked il dit, at him. C'est lui l'agneau. He is the lamb. Que j'avais sacrifié. That I sacrificed. Abel a réveillé Enoch. Abel woke Enoch up a dit, oh. He says oh. Parce que Enoch était là-bas. Because Enoch was l'enlèvement d'Enoch consistait à aller là-bas. The
rapture of Enoch was about him going there. Ils attendaient le grand héros. They were waiting for the great hero. Enoch a dit oui. And Enoch said yes. C'est lui le myriad des myriads. He is the myriad of myriads. Enoch a dit Noé. He says no. Noé a dit oui. He says yes. C'est lui l'arche. He is the ark. Noé a dit Abraham, viens voir. Abraham, come Abraham and see. Yes sir. Yes sir. Je l'avais vu dans les chaînes de Mamre. I saw him in the field of Mamre. C'est lui Elohim dans la chair. He is Elohim in the flesh. Et il a effrayé Isaac. And he walked up Isaac. Il a dit c'est la colonne he de says, feu. He says the pillar of il fire. Il a dit Jacob. And he said Jacob. Jacob a dit oui. He says yes. C'est l'homme que j'avais combattu. He is the man that I fought with. J'avais combattu I avec fought with. On ne lâche pas un héros. And we do not leave a hero. Un héros apparaît. When a hero appears. Hallelujah. Hallelujah. Combattez avec lui. Fight with him. Jusqu'à ce que tu me changes. Until he lives not. Et il a réveillé Joseph. And he woke up Joseph. Joseph a dit oui. Joseph says yes. Et lui la robe à sept couleurs. He is the robe of seven colors. Et papa m'avait donné. That daddy gave me. Ils ont réveillé Moïse. And he woke up Moses. Moïse dit oui. And Moses said yes. C'était le fait. He is the que j'avais rencontré dans le désert. Josué. Joshua. Lève-toi Josué. Oh, wake up Joshua. Josué a dit oh. C'est le général. He is the general. C'est le général. He is the general. Que j'avais rencontré à Jéricho. That I met in Jericho. Daniel vient. Daniel say. Daniel oh hey, yes. He says yes. C'est la pierre que j'avais. He is the stone that I saw. Ézéchiel dit. He said can say. C'est les roues dans les roues. He is the wheel in the wheel. Que j'avais vu. That I saw. Chacun l'a vu. Each one saw him. Zacharie l'a vu. Zacharie saw him. En mettant la pierre à ses yeux. Even in the stone of seven eyes. Malachi l'a vu. Malachi saw him. Et c'est lui l'ange. That he is the angel. Qui devait entrer dans la montagne et dans le temple. Get into the temple. Voyez-vous mes frères? Do you see my brother? S'il apparaît aujourd'hui, if he appears today, qu'est-ce qu'il est pour vous? What is it to you? Praise God. Praise God. Et le dernier qu'il a vu, and the last that saw, l'avant-dernier, the one before c'est Jean-Baptiste. It was John Baptist. Jean-Baptiste a dit oui. John Baptist says yes. Lui l'agneau de Dieu. He is the Lamb of God. Il ôte le péché de ce monde. That is taking away the sin of the world. And I got information for you. Il y a un homme qui l'avait vu. That a man saw him. Que les gens ne s'attendaient pas. People were not even expecting. C'était le voleur à la croix. It was the thief at the cross. Parce que le voleur à la croix. Because the thief at the cross. A pris position. Had taken position. Là où les gens avaient peur. Where people were scared. Jésus l'avait dit. Jesus told him. Ce soir, man. Tonight, even. Tu seras avec moi. You will be with me. Et le voleur a dit. And the thief says. Moi, je l'avais vu ni. I saw him naked. Mais c'est lui le héros. But he's the hero. S'il apparaît aujourd'hui, if he appears today, dans cet état de Laodicée, in this age of Laodicea, qu'est-ce qu'il est pour vous? What is it for you? Hallelujah! Hallelujah! Oh, pour moi, Zakola, oh, for me, Zakola, je dis, viens voir. I say, you come and c'est see. Lui qui était là la nuée. He is the one who was in the clouds. Qui était photographié. Who was taking the picture. Mais comment est-ce que je l'ai vu? But how did I recognize je le verrai selon la manière d'être un prophète. I will see him in a mean as a prophet. La forme. The form que Jésus a pris dans cette that age, Jesus took in this age. C'est William Branham. It's William Branham. J'ai dit oh. I said oh. C'est lui Jésus. He is Jesus. Qui a fait beaucoup de succès. That did a lot of success. Jeff Stanville. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Vous devez croire au héros. You must believe the hero. Nous saluons le grand héros. Oh, we greet the great hero. Le héros de la rédemption. The heroes of redemption. Le héros des héros. The hero of heroes. Gloire à Dieu. Glory to God. Vous devez être un héros. You must become a hero. Et nous saluons and we greet le héros de cet âge, the hero of this age, William Marion Branham. William Marion Branham, notre précieux frère, our precious brother. Si tu n'étais pas venu, if you never came, il a vaincu le pentecôtisme. He overcame the pentecôtisme. Il a vaincu le baptisme. He overcame baptism. Il a vaincu l'argent. He overcame il a vaincu la dénomination. He overcame denomination. Oh mes frères, oh, my brothers. Il n'a ni fumé, il n'a pas bu. He never drank or smoked. Pour un grand travail, for a greater work. Pour ma restauration, for my restoration. Pour ma restauration, for my restauration. Je salue Malachi 4. Oh, I greet Malachi. Dans la gloire. Head of glory. Quelqu'un suivant la bande. A person will be following the Zakola, tu salues le monde. J'ai une citation pour vous. I've got a quotation for you. Branham says, même quand je serai de l'autre côté, the side, je surveillerai I will be watching over. Nous saluons Malachi 4. Un héros de la foi. A hero of faith. Le plus grand héros de l'âge. The greatest hero of age. Et ce matin ici, and this morning, je peux entrer dans l'épouse. I can get in the bride. Je peux entrer dans l'épouse. I can get in the bride. Après que frère Branham est parti, after Branham left, nous saluons le frère Coleman. Oh, we are greeting Brother Coleman. Il est rentré à la maison. Who has returned home? Frère Coleman était un héros. Coleman was a hero. C'est un héros. He is the hero. Après que frère Branham est mort, after Branham died, les gens ne savaient plus quoi faire. People do not know what to do. Frère Coleman a eu le courage. Coleman had the courage. Il a été le pionnier. And he was the pillar. Il dit now. He says now. Ce n'est plus le temps de prêcher la Bible. It's no longer time to preach the Bible. C'est le temps de prêcher frère Branham. It's no time to preach what Branham says. Il a prêché les seven thunders. And he has preached the seven souls. For the rapture. He returned the fourth enlèvement. Et il est rentré à la maison. And he returned home. Nous saluons les frères Coleman. Oh, we greet Brother Coleman. Nous saluons les héros. We greet the heroes. Nous saluons les pasteurs Mbombo. We greet Pastor Mbombo. Comment il a été l'héros? How was he a hero? S'il n'avait pas tenu face. If he never stood against. À Barillier. Barillier. Un héros n'a pas peur. A hero is not scared. Un
Quand Marie a dit le message de Branham, when Marie said that Branham's message, est devenu carotte pourrie. Became a rotten carrot. Il devait y avoir un héros. They had to be a hero. Un courageux. A courageous man. Quelqu'un qui n'a pas regardé à sa peau. A person who never looked at his skin. Un héros ne regarde pas au l'ancien. A hero doesn't look at the elder saint. Oh les blancs. Oh the white saint. Un héros regarde à la parole. A hero looks at the word. Il est monté à la chaire. And he came on the pulpit. Mon fils Bombo n'avait pas fait ça. If Bombo never done it. Moi l'Équateur je deviendrais franquiste. In Equator could have become a franquiste. Il a dit ma cambo mondelo ya lobby. The thing that this white man said, we do not believe it. Now, as a pastor, you will never preach again. Oh, Kayumi said, merci, Seigneur. Oh, Kayumi said, thank you, Lord. Salue son ami. He greets his friend. Il dit que tu as très bien he says, you said well. Nous saluons les héros de la foi. Heroes of faith. Dans ta vie, tu es héros encore. In your life, what are you hero? Et je salue tous les autres héros greeting all other heroes qui ont pris position. That took position pour la parole incarnée, for the incarnated word, pour la venue du Seigneur, for the coming of the Lord, pour la parole faite chair, for the word made flesh. Et nous saluons les jubilés, and we greet the jubilee, la trompette qui a sonné au Congo. The trumpet that sounded in Congo. Même si vous avez peur, praise God, even though you are scared. Oh, j'ai peur. Oh, I'm scared. Sakola, cette affaire ne te regarde pas. Oh, Sakola, that thing does not concern nous savons que le frère a commencé l'église. We know that that brother started the church. Mais j'ai peur. I am scared. Parce que si je parle, j'aurai des conflits. If I speak, I'll moi, be je n'ai pas peur des conflits de la parole. I am not scared of conflicts of the word. Je l'ai dit à haute voix. That's why I spoke aloud. Je n'ai aucun intérêt dans cette église-là. I have no interest in that mais church. J'ai dit que Pharaon, but I've said Pharaon, Moïse étaient des amis. Moses and Pharaon were friends. Quand 50 ans est arrivé, but when 50 years arrived, c'est le temps qu'ils se séparent. It was time for them to separate. Et ils se sont séparés. And they separated. Et la trompette a sonné. And the trumpet si sounded. Vous avez peur, if you are scared, la bande est enregistrée. Then the tape is recorded. Et la voix d'un héros. And the voice of a hero. Je suis le héros des young people. I'm the hero of the young people. Moi, je me salue moi-même. I'm greeting myself. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Glory to God. Et nous sommes ici, amen. And we are here. Nous parlons les héros. And we are speaking about pas heroes. Hier. Not ce temple ici. Here this temple. C'est un bâtiment héros. It's a building of heroes. Ce temple ici. This temple. C'était pour les centenaires. It's for the centenary. Nous saluons les young people. We are greeting the young people. Nous saluons la dynamo. We are greeting the dynamo. Le dernier dynamo the qui last tourne. Time on night, the nous saluons les centenaires. Oh, we are greeting the centenaries. Yes, sir. Yes, sir. Nous sommes les héros. We are heroes. Celui qui vous parle ici, c'est un héros. The one who is speaking to you right now is a hero. Le jour où je partirai, the day I will leave, une génération future, a future generation, ils diront, they will say, les young people, the young people, il était comme Samson. He was like Samson. Pendant que les gens se moquaient de lui, most people were mocking him. Encore une fois, once more, Lord. Encore une fois, once more, Lord. Un nouveau réveil, and a new revival, dans le pays, in the land. Personne ne pourra nobody arrêter. Nobody will stop that. Ce ministère des young. The ministry of the young. Yes, sir. Yes, sir. Tu as promis ça à la God's parole. Promised it in the word. Et c'est un réveil that a qui ne se finira jamais. That will never stop. Hallelujah. Hallelujah. Et nous saluons tous les membres d'Amen. And we are greeting all the members of Amen. Vous. You. Un héros ne quitte pas l'église. A hero doesn't leave the church. Parce qu'il y a un problème. Because there was a problem. Un héros reste. A hero remains. Je resterai là. I will remain there. Jusqu'à ce que l'église se restaure. Until the church restores. Et je vous salue ce matin. And I greet you this morning. Vous les héros. You the heroes. Vous avez vaincu la peur. You overcame fear. Oh l'ancien a dit. Oh the elder said. Oh l'influence de l'argent. Oh the influence of money. Oh ceci et cela. Oh this and that. Oh venons nous les balouba. Oh come as balouba. Dit, no, 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 said, no 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 no. Nous sommes ni balouba. We are not. Nous sommes une super race. We are a super race. Nous sommes la race. We are the race. De la pierre de fête. Of the vous, vous êtes les héros. You are the hero. Nous saluons les héros. We are greeting the heroes. Ce matin ici. This morning. Qui avait jeté la nourriture volée. Praise food. God. Praise les gens avaient peur. People je ne peux pas aller laisser ça. J'ai peur. J'ai peur. Je dois lire ça. I've got to read it. Les héros. Heroes. Ils ont dit Joseph. They said, Joseph said, est-ce que si vos enfants ont faim, if your children are hungry, est-ce que vous pouvez leur donner la nourriture volée? Can you give them stolen food? Mais si vous ne pouvez pas vous donner ça à vos enfants, but if you cannot give it to your children, ne le donnez pas à l'épouse. Then do not give it to the bride. Nous saluons tous ceux qui ont pris la position. We are greeting all those that took position pour la voix de Dieu. For the voice of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. God be praised. Je me sens religieux I'm ce matin. Feeling religious this morning. Gloire à Dieu. Glory to God. Vous devez être un héros. You got to be a hero. Nous saluons Alamba, toi we ici. We are greeting Alamba, you here. Hein, tu es un héros, you are a hero. Is quand on devait détruire le temple, when you almost destroyed il a temple, couru comme un héros. He ran like a hero. Et cela s'est arrêté. And that stopped. Nous saluons les héros. We are greeting heroes here. Oh my. Oh my. Je dirais comme Paul. I will say like Paul. Le temps me manquera. Time will let me. De citer vos noms. To name you all. Vous êtes des héros. You are heroes.
La chose la plus difficile, the most difficult thing que Dieu a eu, that God hates, c'est d'amener un mortel, is to bring a mortal, à croire à un mortel, to believe in an immortal. Et vous, vous êtes les héros. You are heroes. Yes, sir. Yes, sir. Un héros ne meurt jamais. A hero never dies. Moi, je suis là. That's why I'm here. Un héros, a hero, ne meurt jamais. Never dies. Même si vous le tuez, even though you kill him, il ressuscitera. He will still rise again. Les gens ont peur. People are scared. De soutenir la parole, to support the word, d'avoir une bonne position, to have a good position. Les héros de la foi, heroes of faith, nous les saluons, we greeting them. Les héros du centenaire, heroes of century. Oh, est-ce que vous croyez à ces choses-là? Les héros ne meurent pas. Heroes never die. Regardez même ce monsieur ici, Mandela. Now, look at this man, even Mandela. C'est un héros. He is a hero. Et j'insiste ce matin, église. And I'm emphasizing this morning, church. Ne quittez pas la terre, sœur. Do not leave the earth, sisters. Sans que tu sois une héroïne. Without you being a hero. Tu peux mettre au monde des enfants. You can give birth to children. Tu peux se marier. You can get married. Mais après, tu peux s'acheter des maisons. Afterward, you can buy for yourself personne houses. Ne parlera de toi. Nobody will speak about you. Mais as-tu right? But are you right? As-tu right? Hate you right? Son nom est resté. Her name remained. Dans le troisième pool. In the third pool. Pourquoi? Why? Elle était héroïne. Because she was a hero. Pendant que les diacres, on va prier pour avoir notre deuxième écurie. We're gonna pray to have another second scroll. As-tu right, frère Branham, je le crois. As-tu right, say, I believe it, Brother Branham. Et aujourd'hui, and today, le nom As-tu right, the name Hetty Wright, fait partie. Partex de l'histoire de la rédemption. In the story of redemption. Vous les sœurs, you sisters, vous êtes héroïnes en quoi ici? You are hero in what here? Hein? Hein? En commérage? And gossips? En retard à l'église? Being late at church? En absence? Being absent? En impolitesse? In impoliteness? Non! No! Devenez une héroïne! Be heroes! Laisse-moi dire ceci, même si je suis pressé. Allow me to say this even I'm in a hurry. Les héros, heroes, leurs noms font partie des noms de prière. Their names go partakes in the name of prayers. Je sais que vous n'avez pas compris. I know you never understood it. Je vais vous dire ça. I'm going to read that to you. Quand vous voulez prier Dieu, when you want to pray God, comme étant le créateur, being the creator, le père qui nous a créé, the father that created us, il doit dire, oh Dieu d'Adam. You must say, oh God of Adam. Dites amen. Say amen. Oh Dieu d'Abel, notre sacrifice. God of Abel, our sacrifice. Tu ne peux pas parler de sacrifice sans Abel. You cannot speak about sacrifice without speaking about Abel. Oh Dieu d'Enoch, oh, notre enlèvement. Enoch, our rapture. Tu ne peux pas parler d'enlèvement sans Enoch. You cannot speak about the rapture without speaking oh, about Enoch. Oh Dieu de Noé, notre God of arche. Noah, our ark. Tu ne peux pas parler de l'arche. You cannot speak about the ark sans Noé. Without Noah. Oh Dieu d'Abraham. Oh God of Abraham. Notre père de la foi. Our father of tu faith. Tu ne peux pas parler de la foi. You can never speak about sans faith Abraham. Without Abraham. Oh Dieu d'Isaac. Oh God of Isaac. Notre amour. Our love. Si tu veux que Dieu t'aime. If you want God to love you. L'invoquer au nom d'Isaac. You got to call him in a partner. Oh Dieu de Jacob. If God of la Jacob. La grâce. Grace. Quelqu'un qui ne méritait rien. A person who deserved nothing. Un menteur, un escroc, a liar, un voleur. Jacob. Jacob. Mais Dieu dit. But God said. J'ai haï Esau. I hated Esau. J'ai aimé Jacob. I loved Jacob. C'est la grâce. It's just grace. Quelque chose de non mérité. Something si undeserved. Si tu veux que Dieu te fasse grâce. If you want God to be graceful to you. Il faut lui rappeler le nom. You got to remind him of name. De Jacob. Of Jacob. Oh Dieu. Oh God. De Joseph. God of Joseph. Notre perfection. Our perfection. Que tu sois sans faute. If you want to be spotless, tu ne peux pas invoquer Dieu sans citer Joseph. Call upon God without calling Joseph. Oh Dieu de Moïse. Oh God of Moses. Notre libérateur. Our freedom. Quand quelqu'un vous libère, on l'appelle Moïse. When a person makes lead you free, do we call him Moses? On a appelé Mandela le Moïse noir. That's why they call Mandela the Black Moses. Si tu veux que Dieu te libère, if you want God to set you free, de l'Égypte, from Egypt, de la mondanité, of worldliness, il faut citer le nom de Moïse. You need to call upon the name of Moses. Oh Dieu de Josué, oh the God of Joshua, Jehovah Sauveur, Jehovah Savior, il te traverse le Jourdain. You cross, he made you cross the Jordan. Et il te donne la portion de terre. And give you a portion of land. Tu ne peux pas demander ça sans le nom de Jésus. You cannot ask for it without naming the c'est name of Joshua. Abraham, vous priez mal. That's what Abraham says, you pray wrongly. Nous nous connaissons comment prier. But we know how to pray. Il y a des noms que quand je mélange ça, there are names when you mix them up, Dieu est coincé au coin God is stuck in the corner of the wall. Praise God. Praise God. Oh Dieu! Oh God! De Samson. Of Samson.
Voyez-vous? Do you see? Notre restauration. Our restoration. Once again, Lord. Dieu de Gédéon, God of Gideon, vaillant héros, great warrior. Tu veux devenir un homme vaillant? You want to be a great warrior? Il faut solutionner ça, Gédéon. Then you got to link it with Joshua. Même quand il était idolâtre, Gideon, even when he was an idol worshiper. Mais Dieu disait que tu es vaillant. But God still told him that you were a great warrior. Dieu de David, God of David, notre roi, our king. Dieu de Salomon, God of Solomon, notre sagesse, our wisdom. Si tu veux devenir sage, if you want to be wise, solutionner Salomon. Link with Solomon. Dites amen. Say amen. Dites amen. Say amen. Yes, sir. Yes, sir. Dieu de Jean-Baptiste. God of John Baptist. L'agneau qui ôte mes péchés. The lamb that takes away our sins. Dieu des apôtres. God of apostles. Nos pères de la foi. Our father in faith. Dieu des messagers. God of messengers. Nos étoiles qui nous ont éclairés pendant la nuit. Star that is lighting us during the night. Ça ne s'arrête pas là. It has not stopped there. Dieu de William Branham. God of William Branham. Notre Dieu dans la chair humaine. Our God in the human flesh. Dans la chair humaine. In the human flesh. Dans la chair humaine. In the human flesh. Hallelujah. Hallelujah. Si tu veux invoquer le troisième pull. If you want to call upon the third pull. Tu dis Dieu that you write. Say God of as you write. Dieu that you write. God of as you write. Dieu that you write. God of as you write. Maman. Mommy. Tu veux le salut de tes enfants? You want salvation of your children? Invoquer le Dieu that you write. Then call the God of as you write. Que je veux le salut de mes deux fils. I want the salvation of my two children. Yes sir. Yes sir. Je peux continuer ça. I can carry on. Mais je ne veux pas vous scandaliser. But I don't want to scandalize you. Le Dieu de prêcher Frère Branham dit. The God of preaching Frère Branham says. C'est le Dieu de Coleman. It's the God of Coleman. Il y a le Dieu de young people. There is a God of young people as well. Il y a le Dieu de young people. There is a God of young people. Toi jeune garçon. You young man. Tu dois connaître ces choses-là. You gotta know all the things. Le nom des héros ne meurt jamais. The name of heroes never die. Tu vas mourir comme ça, tu as fait quoi dans la vie? You just die like that, you never done anything on earth. J'ai porté les vestes. I wore a suit. That's not being a hero. J'ai acheté une maison. I bought a house. Ce n'est pas un héros. That's not being a hero. J'ai mis au monde les enfants. I kept Ce n'est pas un héros. That's not being a hero. Un héros fait des exploits. A hero does wonders. C'est quoi on savait mes frères. That's why we knew. Je salue l'héros là-bas, le frère Edith. I greet the hero over there, brother Edith. L'héros. The hero. De la foi. Of faith. Les gens disaient non. People say no. Personne ne peut construire à l'étranger. Nobody can build in a foreign country. Il dit non. He says no. Nous sommes les héros. We are heroes. Les héros de la dernière dynamo. The heroes of the last dynamo. Les héros de la moissonneuse batteuse. The hero of a harvesters. C'est ça la prophétie. That is the prophecies. C'est pourquoi vous verrez que Mandela ici. That's why you see Mandela here. Mandela que vous voyez là. Mandela that you see here. Regardez. Look now. Il est né en 1918. He is born in 1918. Regardez les grands événements de sa vie. Look at the great event of his life. 1918. Je prends 1918. La même année où la Première Guerre mondiale se termine. The first year that the World War stops. Le 11 à 11h, 11 minutes, 11 secondes. The 11th, 11 minutes, 11 seconds. Pour appeler l'épouse de la 11e heure. To call the bride of the 11th hour. La même année où les deux messagers envoyés à Sodome sonnaient. The same year that the two messengers sent to Sodome Billy came. Graham et Robert. Billy Graham and Oral Robert. Et lui naît là. And he is also born there. Tu vois, il naît dans les années prophétiques. He was born in the prophetical years. C'est l'année où le premier malheur d'Apocalypse a eu lieu. It's the year which the first woe of the Revelation took place. Voyez-vous? Je prends quelques dates qui intéressent. Et regardez ici. I'm going to take a few dates. Regardez ici. Look at en 1951. In 1951. Quand William Branham. When William Branham. Le grand héros de cet âge. The great hero of this age. Vient dans ce pays. Come in this country. Lui Mandela avait 33 ans. He Mandela was 33 years old. Et le nombre il a suivi les campagnes de Branham. Il a entendu ça, ça avait bougé toute l'Afrique du Sud. He followed the campaign of Branham. It shook the whole world, South Africa. Hein? Ah. Et ils ont écrit le livre. And they wrote a book. William Branham, un prophète, visite l'Afrique. William Branham, a prophet visiting South Africa. Et Frère Branham est arrivé. And Brother Branham arrived. Il a vu comment les noirs mal, les blancs maltraitaient les noirs. He saw how white were mistreating the blacks. Le premier libérateur.
commencé à combattre pour leur liberté. Who started to fight for their freedom? Ce n'est pas Mandela. It's not Mandela. Dites amen. Say amen. C'est William Branham. It's William Branham. La phrase Agola, tu veux exagérer? The phrase Agola, you are going beyond borders now. Quand Frère Branham arrive ici, now when Frère Branham reaches there, Mandela ne parlait pas encore. Mandela was not speaking yet. No. No. Le grand héros. The great hero. Le libérateur. The freedomer. Le Moïse de cet âge. The Moses of this age. La prophétie accomplie en lui. The prophecy fulfilled in him. Quand il arrive. When he arrived, I'm ready for you. Il voit comment il maltraitait les Noirs. He saw how blacks were mistreated. Quand il a quitté Zimbabwe. When he left Zimbabwe. Vous connaissez l'histoire. You know the story. Je vous ai lu ça ici. I read it for you here. Il parle de la souffrance des Noirs. L'Afrique n'a jamais été secouée à ce point. Africa wasn't shaken by that time. En regardant, j'ai vu là-bas des pauvres noirs, des personnes de grande valeur. By looking, I saw people, poor, j'ai vu de quelle manière ces gens les traitaient. I saw how people were mistreating them worse than even slaves. Il parlait de Thomas qu'il avait prié pour lui, les He noirs. Speaks about Thomas that prayed for the black. Il a embrassé Frère Branham, il a été guéri, le Messie. He had Frère Branham and he was healed. Et regardez Frère Branham en ce temps-là, il dit. I looked at Branham in that time. Je lui ai dit un jour. He says, one day, vous recueillerez les fruits de cela. You shall reap the fruit of Il y a des millions de blancs et environ 100 millions de gens de couleur. There are millions of white. Vous aurez un soulèvement. You'll have a lift, uprising. Il m'a dit. And he said, ce qui se passe ici. What is happening here? N'allez surtout pas raconter ça en Amérique. Don't you dare go say it in America. J'ai dit, qui va me dire de me taire? I said, who will stop me from saying Dieu seul. J'ai dit, ce n'est pas étonnant que ces gens soient complexes. I said, not even astonishing that people are la Rhodesia, ainsi de suite. He speaks about Rhodesia and all that. J'ai pas le temps de... I don't have time to read it all. Tu vois quand Frère Branham vient en 51. You see when Branham comes in 51. Un héros n'aime pas l'injustice. A hero doesn't write unjust. Il a vu comment les blancs maltraitaient les noirs. He saw how white were mistreating the blacks. Zimbabwe partout. In Zimbabwe and all over. Frère Branham a élevé sa voix. Frère Branham lifted up his voice against it. Il dit que ce sont nos frères et nos sœurs. They are our brothers and sisters. Nous devons vivre en égalité. We ought to live equally. Tu vois les blancs ici dire à Frère Branham, n'allez pas les dire en Amérique. You see the white here, I think Frère Branham, don't you go say in America. Personne n'arrêtera ma bouche. He says no one will stop my mouth. C'est lui leur libérateur. It's him, the freedomer. Et la parole qu'il avait prononcée. And the words that he pronounced. Comme l'âge de 33 ans. Now, at the age of 33 years. C'est l'âge de grandes victoires. It's the age of great victories. C'est quoi Alexandre le Grand Branham a dit? Il a conquis le monde à 33 ans, il est mort. He overcame the world. Même Napoléon à 33 ans. Even Napoleon in 33. Voyez-vous? Même Jésus. Even Jesus. À 33 ans. At 33. C'est quoi on a conçu l'église ici, j'avais 33 ans. That's why we built this church. I was 33. Ce mystère là, ça poursuit les gens qui ont la révélation. This mystery follows people that got revelation. L'onction là où est le Messie. That anointing anointed the person. Le prophète arrive quelque part. Hein? Now, Barus says when the prophet arrives at the place. Même les paroles qu'il a prononcées, vous n'avez pas écouté, ça vous hante toujours. Even the word that you never heard anoints you always. Dites un grand amen. Say big amen. Branham était passé au Congo, non? Branham went in Congo, right? Il est sorti là à l'aéroport de Ndolo. Of Ndolo Airport in Congo. Il a eu le sentiment que comme c'est, je peux parler aux gens ici. Les Belges ont dit non. He had the feeling that okay, well, can I speak to these people? The Belgians were like no. C'était un pays catholique. It was a Catholic country. Et il a dit à Billy Paul. And he told Billy Paul. Il a vu la vision. He saw the vision. Il dit Billy. He said Billy. Quand mon message arrivera dans ce pays. When my message will arrive in this country. Il y aura un boom. There will be a boom. Nous n'étions pas là. We weren't there. Mais nous sommes là aujourd'hui. Now here we are today. Nous sommes la réponse à sa prophétie. We are the answer to his prophecy. Qui peut dire un grand amen à cela? Who can say amen to that? C'est là vous devez comprendre qu'est-ce qu'il fait un prophète. That's why you must understand what is. Le message était loin. The man was anointed. Et Branham a dit, il y aura un soulèvement. And Branham says there will be an uprising. Et regardez qu'après ça, quand il est entré dans l'ANC, and now look afterward when he got into ANC, il a commencé. He started. Et depuis 1960, parce qu'il a été arrêté, jeté en prison en 1963. He was arrested and thrown in prison in 1963. Quand la pierre de fête descend aux États-Unis, when the capstone comes down in this, in lui, on l'amène en prison. They bring him in the prison. Pourquoi? Why? Il commençait le soulèvement. He started an uprising. Dans le méable. In a friendly way. L'ANC dans le méable. ANC in a friendly way. Quand ils n'ont pas voulu écouter. But hence they did not want to listen. Il a été le pionnier qui a fait la branche armée
de l'Afrique du Sud, de l'Asie. He was a pillar that make the branch of the ANC army in South Africa. Et il a appelé ça Ukoto Wisizwe. And he called it Ukoto Wisizwe. Cela veut dire le fer de lance de la nation. Which means the iron of the arrow of the nation. Et il a commencé, ils ont commencé à tuer les gens à faire des sabotages de soulèvements. C'est lui qui a commencé. People and sabotages and uprising. En 51, Branham me dit. In 51, Branham says. Il y aura des soulèvements. There will be uprising. Est-ce que vous me suivez? Are you following me here? Vous me suivez, mes amis? Are you following my friend? Cette semence là. Now that seed. Il ne peut pas y avoir un soulèvement. There could not be an uprising sans un leader. Without a leader. Tout mouvement commence par une seule personne. All movement starts by one person. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Remarquez que quand il commence le soulèvement. Now, notice when he started the uprising. Frère Branham est aux États-Unis, il est rentré. He went back to the United States of America. Suivez-moi bien ici. Follow me carefully here. Suivez-moi bien. Ne ratez pas. Follow me carefully. Don't look to miss this. Vous comprendrez que you'll understand that Mandela est dans la prophétie sous forme de mystère. Mandela is in the prophecy in the form of quand Frère Branham a écouté que les soulèvements ont commencé. When Brother Branham heard that their uprising started, il prêche la prédication, allez leur dire, go tell. He preached a preaching, go tell. Il dit, tu as envoyé un message de réconfort. God sent a message of strength. C'était un message de réconfort. It was a message of comfort. Quelque temps, quand il y avait des esclaves venant du sud. Some time ago, when there's some slavery coming from the south. Les bourgs amenaient les esclaves venant de l'Afrique du Sud. The bourgs brought slaves coming from South Africa. Les natifs. The natives. Comme ils les appellent aujourd'hui. What we call les gens de couleur. The colored men. Ils les amenaient ici. And they brought them over en here. En Amérique. And ils devenaient des esclaves. And they became slaves. They made them slaves. Il y a un soulèvement maintenant en Afrique maintenant. A great uprising in Africa today. Assassinations. Et beaucoup de choses. And so forth. They are fighting for their freedom. It's a battle pour leur libération. They are fighting for their freedom. It's a battle pour leur libération. Oh, liberté. Leur liberté, petit. Liberté. Voyez-vous? They have a right to fight for it. Ils ont le droit de se battre pour cela. J'aimerais lire ça avec l'origine. Dites un grand amen. Now, say a big amen. Branham n'a pas dit qu'ils sont faux de le faire. Branham never said that they are forced to do it. C'est-à-dire que Frère Branham soutenait Mandela et l'ANC. Branham was supporting Mandela and the ANC. Il dit ici, they are fighting for their freedom. Il dit que ils se battent pour leur liberté. They have a right. Ils ont le droit to fight for it. De se battre pour cela. God made men. Dieu a fait l'homme. Made men slaves. Esclaves. Esclave. Il never l'homme a fait l'esclave. Voilà. Vous voyez ici, Frère Branham. You see your brother Branham. Un frère m'a dit, mais comment tu vas faire sortir ça? Ça y est là dans vos brochures. Everybody said, how will you bring it out? They are there in your spoken words. Mais ce qui vous manque, c'est l'œil prophétique. But the only thing that lacks you is on the prophetic quand eye. Quand Dieu promet Moïse, when God promised Moses, il n'a pas cité le nom de Moïse. He never named the name of Moses. Il dit, je viendrai, je vais vous libérer par ma main puissante. And he said, I will come and set you free by my mighty hand. Or il ne peut pas avoir une libération sans un libérateur. Mais non. There cannot be a freedom. There cannot be freedom without a freedom. So what can Joshua have seen in Moses? No, that's when Moses saw that in Moses. Dit, c'est toi le libérateur, Moïse. You are the freedom, you Moses. Mais Dieu n'avait pas dit que Moïse sera le libérateur. God never said that Moses would be the freedom. Mais la prophétie s'est accomplie en Moïse. But the prophecy fulfilled quand itself Dieu in Moses. Quand Dieu donne une prophétie, when God gives a prophecy, il prédestine un homme qui va l'accomplir. He predestined a man that will fulfill it. Branham en 51, il y aura des soulèvements. But Branham in 51 said that there will be uprising. Ici en Afrique du Sud et en Rhodesie. In South Africa and in Rhodesia. Zimbabwe. Zimbabwe. The current Zimbabwe. Alors, il devait y avoir une personne. Now, there ought to be a person. Et Mandela l'a fait. And Mandela did it. Cette semence que Branham avait vu sillonner le monde. That seed of Branham saw that was going around the world. Ça cherchait un Sud-Africain looking capable. For an able South African. Ça a trouvé que Mandela avait des dispositions d'un héros. And it found that Mandela had the ability of a hero. Il a accompli ça. And he fulfilled it. Et quand Frère Branham a entendu ça, and when Frère Branham heard it, il dit maintenant il y a des soulèvements. He says now they are uprising of comme je l'avais dit. As I said, les natifs sont en train de combattre pour leur liberté. Natives are fighting for their freedom. Et ils ont le droit de le faire. And they've got the right to parce do it. Parce que Dieu a créé l'homme. Because God
created non, God l'homme made avait créé l'esclave. But men made slaves. Quand il a commencé les soulèvements avec son armée ou contre Wisizuela. When he started his army, a tué les gens à faire ceci et cela. Of killing people and all that. Et à la fin des trompettes, écoutez Fabana. And if it's a trumpet, but I'm saying, en 64, il dit. Now in 64, he says. Maintenant, aujourd'hui, je voulais annoncer que les réunions que nous avons prévues. Lesquels je prévoyais me rendre la semaine prochaine en Afrique pour notre frère Joseph Bose là-bas. Now, I wanted to announce about the meeting which we have provided for the journey that we have got to make next week there in Africa. Nous ne pourrons plus le faire sans réunion. For the brother Joseph Bose. Now we cannot do it. Il y a un soulèvement là-bas en ce moment. There is an uprising there now. Les communistes fournissent clandestinement des armes aux indigènes. Communism are actually giving a weapon to the indigenous people. They are. On dit qu'ils ont des bateaux de pêche un peu partout. They said they've got boats of fishing all over. La Chine communiste et la Russie. The China communist. Ils fournissent des armes à feu aux indigènes. They are giving weapons to. Ils utilisent ça tout ce qu'ils trouvent comme ils trouvent. They are using it wherever. Ils ne savent pas faire autrement. They are not able to do it else. Alors le gouvernement a pensé qu'il ne serait pas sage de faire une réunion en ce moment en Afrique. Now, they thought, the government thought that it won't be wise for them to have a meeting right now in Africa. Frère Banham voulait revenir encore. But Abraham wanted to return. Il attend les nouvelles que le soulèvement là continue. He heard the news that the uprising is still going on. Parce qu'après que Mandela a été jeté en prison. Because after Mandela was cast in prison. Regardez en 63. Now look in 63. L'armée là a continué à faire des soulèvements. The army kept on doing. Ce sont les communistes, la Russie, les Kiba, et tout ce qui leur fournissait les armes. That were giving them weapons. Et Branham dit qu'ils n'ont pas un autre choix. They had no other choice to do. Ils se battent pour leur liberté. They are fighting for their freedom. Vous voyez déjà là. Now, do you see already donc, there? Mandela ici. Meaning, Mandela there. Est l'accomplissement. He is the fulfillment de la prophétie de Branham. Of the prophecy of Branham. Sur le soulèvement. On the uprising. Qui peut dire un grand-mère? Who can say big amen? Et sur combattre pour leur liberté. And also fighting for their freedom. Si vous le croyez, dites un grand-mère. If you believe it's a big aim. C'est comme ça qu'on étudie les paroles d'un prophète. This is how we study the word of a prophet. Frère Branham a dit des young people. Branham said the young people. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. He never named the name of a person. Mais il faut que la semence là soit manifestée. But that seed is ought to be manifested. Qui peut dire un grand menace? Who can say big amen to that? Vous voyez comment le Messie ici fait partie. You see how this man partakes de la prophétie. In the prophecy. C'est pour cela que vous allez voir, il est resté en prison. Frère Branham est venu en 65, il n'a pas pu prêcher. That's why you can see remain in prison. And Brother Branham came in 65 and he couldn't preach. Pourquoi les gens avaient dit que non, tu vois, il y a des soulèvements. You see why? But people say that there will be there are uprisings. Les gens là, les noirs tuent n'importe qui. And the blacks are killing him ever. Ils ont interdit à Frère Branham de prêcher. And they forbid Brother Branham to preach. Il a fait seulement la chasse. He only went to hunt. Mais il a rencontré les frères à l'aéroport. And he brought brothers in the airport. Il leur a exposé le vrai message. And he explained to them the true message. Il dit, mon deuxième voyage était plus glorieux que la première. And he says, my great journey was greater than the first. Parce que c'est dans le deuxième voyage que le message a commencé maintenant à s'établir. That's why in the second one, that's why the message started to be established. Et le Messie est resté en prison jusqu'en 1990. And the men remained in prison until 1990. Et les soulèvements là ont continué comme Branham and l'avait dit. The uprising remained until Branham said it. Et il est sorti de la prison pourquoi? And why did he come out of prison? Regardez si vous lisez l'histoire là. Now, if you read the story, les Américains, les autres ne voulaient pas beaucoup intervenir. Now you notice that Americans and many more. Parce que le gouvernement d'apartheid. Now, because the government of apartheid, il disait que non, ce sont les communistes. They were saying that it's communists. Comme le monde avait peur des communistes. As the world was scared of communists. Ils pensaient que les communistes, ce sont les ennemis. They thought that the communists were enemies. Mais Branham nous a dit autre chose. But Branham told us another thing. Il dit les communistes ne sont pas nos ennemis. They said that the communists are not our enemies. Qui peut dire un grand mot? Who can say big amen? Il dit notre ennemi, c'est le romanisme. He says our enemy is the Romanism. Mais le communisme, c'est un instrument entre les mains de Dieu. But the communists are only instrument in the hands of God. Qui va bombarder le Vatican et les États-Unis? Will explode the Vatican and the United States of America. Quand maintenant le communisme tombe, now when communism fell, le mur de Berlin est tombé. The wall of Berlin is falling. C'est là où ils n'avaient plus le droit. That's where they had more rights. L'ANC, ils ont libéré Mandela. To accuse the ANC of communism. Même sa libération, even his freedom, coïncide avec l'accomplissement d'une autre prophétie de Branham. Go along with another prophecy of Branham. Branham avait dit quand il prêche le signe de la semence du temps de la fin. But Branham said when he was preaching the seed of the end time. Il dit que les murs de Berlin tomberont. He says the wall of Berlin shall fall. Je vois ma belle sœur là, elle a une passeport allemande. Now, my sister-in-law is going to l'Allemagne était divisée en deux.
German was divided into two. Branham dit que le mur de Berlin tombera. Branham said that the Berlin Wall shall fall. Ce sera la fin de l'URSS. It will be the end of URSS. Et l'Union européenne, qui est Rome, reviendra sur ses anciennes limites. And the European Union, which is Rome, will come to its boundaries. Its et old le monde boundaries. Entier sera contrôlé par les deux bêtes. And the whole world will be controlled by the two beasts. Les États-Unis, the United States of America, et le Vatican. And Vatican. Quand la prophétie là s'accomplit, when that prophecy fulfills itself, les murs de Berlin sont tombés, the wall of Berlin is fallen, Mandela sort de la prison. Mandela comes out of prison. Pendant qu'une prophétie de Branham s'accomplit. While a prophecy of Branham is being fulfilled. Et en 94, il est devenu le premier président and noir. In 94, voté. He became the first black president, voted black president. Et remarquez, ça m'étonne. No, si si vous trouvez que c'est un hasard, il vient mourir en 2013. If you think it's an hazard, he comes and dies in, arrêté en 63 quand la nuée descend. In il meurt en 2013 pendant que nous nous fêtons notre jubilée. Now, he dies in 2013 while we're feasting our jubilee. Vous voyez que l'histoire de sa vie, now you see the story of his life, et son combat, and his battle, a été soutenu par les prophètes. Is being supported by the prophets. Et il dit, c'est une nation arc-en-ciel. He says the rainbow nation. Il sort, il pardonne tout le monde. He comes out and forgives everybody. Il a fait la loi du pardon. He made the law of forgiveness. Ils vivent ensemble. He said, let us live together. L'unité Frère Branham soutient ça. Unity, Frère Branham, il dit que c'est une nation arc-en-ciel. Is a rainbow nation. Et il meurt en 2013. And he died in 2013. En 95 ans. 95 years. Regardez dans cette année de jubilée de l'épouse. Now look at this year of jubilee of the bride. 50 ans il meurt. 50 years he dies. Dans l'année 13. In the year 13. L'année ici Dieu clôture le cycle de l'épouse. This year God concludes with the cycle of the bride. Dans l'année 13. In the year 13. La triskaïdécaphobie. In triskaïdécaphobia. 13 c'est le nombre de la femme. 13 is the number of a woman. Quand Boaz a rassemblé 10 anciens dans la Bible. When Boaz gathered 10 elders in the Bible. Le 11e c'était celui qui avait le droit de rachat. The 11th is the one who had the right of. Et le 12e c'était Boaz. And the 12th was Boaz. Le rédempteur, le Goël. The redeemer, the Goel. Mais le 13e c'était Ruth. But the 13th was Ruth. C'était un temps pour racheter Ruth. It was a time to redeem Ruth. Le nombre 13, voyez-vous. The number 13. C'est pourquoi that ils ont tourné les murs de Jéricho 13 fois. They had to turn the walls of Jericho 13 times. 6 jours, 6 fois, 7e jour, 7 fois, ça fait 13. 6 days, 6 times, 7 days, 7 times, which means pour libérer une femme rabe. To set free a woman rabe. Cette année ici, il y a beaucoup de choses pour l'épouse. This year, there are a lot of things for the bride. Et nous voyons les États-Unis ce qu'ils ont fait. And we see the United States. Nous voyons la prophétie du pape. And we see the prophecy of the Pope. Je vous ai enseigné ici profondément. So deeply. Un nouveau pape vient alors que celui l'autre démissionne le 28 février. A new pope comes while this one is resigning on the 28th of February. Et son nom, Giorgio Mario Bergoglio, les mêmes initiales sont les mêmes mots que Branham avait prononcé quand il parlait de Jérusalem, Moon, Blackout. Now, his name, Giorgio Mario Bergoglio, it is the same word that Branham that used when he speaks about Jerusalem blackout. La même année ici, 13 et 13 ont suivi les messieurs. The same year now here, 13 followed the men. Et dernièrement, ce jubilé ici ne s'arrête pas. Graham, Billy Graham, le messager envoyant Sodome, now, fait son dernier appel, le dernier espoir pour les États-Unis. This year, the jubilee doesn't end. Billy Graham also called out his last call in the United States of America for the last call. Tous ces événements ici sont nombreux. All these events are many. Nous voyons notre horloge, Israël. We see our clock, Israel. Benjamin Netanyahu lit l'écriture d'Amos d'Aloni. Benjamin Netanyahu read the scripture of Amos in UNA. Israël est revenu, ne sortira plus, ils doivent reconstruire. That Israel has got to rebuild. Et à la fin de ce jubilé. And at the end of the jubilee. Le grand événement, la mort de Mandela. The great event, the death of Mandela. Tous les grands de ce monde. All the great of this world. Les rois, les princes. The king, the prince. Les grands présidents. The great president. Sont venus ici en Afrique du they Sud. They came here in South Africa. Goel, tu me suis, ils sont so venus en Afrique du Sud. They came in South Africa. Et les yeux du monde entier ont été ici. And the eyes of the whole world were here. Mais frère, je vais vous dire quelque chose. But I'm going to tell you something. Les événements modernes. Modern events. Sont rendus clairs. Are made clear. Par la prophétie. By prophecy. Tu vas entendre un amen. Regardez ce pays ici que nous vivons. Look, this country which we're living in, c'est une nation prophétique dans le message. It is a prophetical nation in the message.
Let me just open up a bracket here. Le seul messager. The only messenger. Qui a libéré les Noirs. That set free the blacks. De l'Afrique. From Africa. C'est William Branham. It's William Branham. Il dit que Dieu m'a envoyé vers les Noirs. He says, God sent me toward the black. Parce que. Because. Le soleil se lève à l'est. The sun rises in the east. Le christianisme et la rédemption ont commencé en Israël. Christianism, redemption started in the east. Suivez-moi bien. Follow me carefully. Ça va à l'ouest aux États-Unis. It goes to the west in the United States of America. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Quand le soleil quitte l'est pour aller à l'ouest. When the sun leaves the east going to the west. Ça passe par le nord. It goes toward the north. Quand cela va repartir pour que ça réapparaisse when à l'est. It has got to go back in order for it to reappear here in the east. Ça passe par le sud. It goes through the south. Or l'est du monde c'est Israël, now, la Chine, east of the world, l'Orient, Israel, l'Asie. The China, the Orient, the Asia. Le nord c'est l'Europe. The north is the Europe. Et l'ouest c'est l'Amérique. And the west is America. Mais le sud du monde, but the south of the world, c'est l'Afrique. It's Africa. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Jésus a vécu là-bas. Jesus lived there. Tous les messagers étaient les nordistes. All messengers were north. Irénée, français, Colomba, Orange, Colomb, les Irlandais, les Allemands, Wesley, Wesley, un Anglais, un Luther, Luther, un Allemand. Tous, même Branham, c'est un Irlandais. Branham, all nord. L'Afrique n'a jamais eu un noir messager. Africa never had a black messenger. Et le soleil s'est couché. And the sun set. C'est le coucher du soleil. This is sunset. Le fils de l'homme. The son of man. La montagne du soleil couchant. On the sunset mountain. Mais pour que ça rentre, but for it to return, en Israël, in Israel, par les deux témoins, by the two witnesses, Dieu ne peut pas oublier l'Afrique. God cannot forget Africa. Parce que l'alpha c'est l'oméga. Because the alpha is the omega. La rédemption a commencé en Afrique. Redemption started in Africa. Ça va se terminer en Afrique. And will be finished in Africa. Adam était en Afrique. Le jardin d'Éden était en Afrique. Le centre de la terre c'est ici. The center of the earth is here. C'est pour cela. That is why. Après les États-Unis. After the United States. Le réveil passe par l'Afrique du Sud. The revival goes through South Africa. Vous voyez au Congo partout en Afrique, c'est notre temps. That's what you see in Congo all over. It's our time. C'est le temps de la reine du Sud. It is the time of the Queen of the South. C'est la dernière dynamo. The last dynamo. Qu'est-ce qui a amené Frère Branham ici? What brought Frère Branham? Quand vous voyez la première fois de l'histoire, suivez. And when we see the first time in the history, glory to God. Un Africain noir qui meurt. A black African that passes le on. Le monde entier. The whole world. Se rassemble ici. Gathers here. Nous devons nous poser la question. We must ask ourselves the question. Branham nous a dit. But Branham said. Quand la bête fait ses exploits. When the beast is doing a wonder. Ou ses événements à lui la bête. Her event the beast. Observez aussi l'épouse. Watch over also to the bride. Les yeux du monde retournent en Afrique. The eyes of the world returned in Africa. Vers un noir de l'Afrique. Toward a black in Africa. Hey, amen. Oh, cela devait appeler l'épouse de l'Afrique. That had to call the bride of Africa. Quelque chose est en train d'arriver. Something is about to take place. Et regardez dans le stade là. And look in that stadium. Celui qui a fait beaucoup de succès. The one who made a lot of success. C'est encore un noir de l'Afrique. It's again a black of Africa. Obama c'était le Kennedy noir. Je vous ai prêché ça. Obama was the black Kennedy. I preached that to you. Il est la continuité de Kennedy. It's the continuity of Kennedy. Elle a amené sa femme Jezabel, sa and femme. Brought his wife Jezabel. C'est le même mystère. The same mystery. Oh! Why? Branham a dit. Branham said. Il aimait Castro. He loved Castro. Fidel Castro était aimé par William Branham. Fidel Castro was loved by William Branham. Hey, Branham dit que je n'aime pas Kennedy. Branham says that I do not love Kennedy. C'est un Akabe moderne. He's a modern Akabe. Il mourra comme Akabe. Alléluia. Like et Kennedy est mort comme Akabe. And Kennedy died like Akabe. Comment est-ce qu'Akabe était mort? How was Akabe there? Passed on. Il est mort dans les chars. He passed on in a chariot. La voiture de ce temps-là. The car of those days. Et son sang a coulé. Comment est mort Kennedy? How did Kennedy pass dans on? Le char moderne. In a modern chariot. Selon les paroles de William Branham. According to the word of William Branham. Et regardez ici un événement. And look here, there is an event. Le remplaçant de Kennedy. The one who took over Kennedy. Alors que les deux pays sont toujours en conflit. While the two countries are still in conflict. Et le remplaçant de Fidel Castro, son petit frère. One who replaced Fidel Castro, his young brother. Ils se sont salués pour la première fois depuis ce temps-là de Branham. For the first time, they shook their hands since the time le of Branham. Le remplaçant de Kennedy, the replacer of Kennedy, a salué le remplaçant de Fidel Castro. Great, the one who replaced Fidel Castro. Le monde entier en parle. The whole world speaks about. C'est le temps et le signe de l'union. It is the time and the sign of union. Quand la bête fait ses réunions à lui. When
quelque part. The bride also is united somewhere. Parce que je vous dis quelque chose, ce pays ce n'est pas comme tous les autres pays. This country is not like all other countries. Si il y a le pays des noirs. If there's a country of black. Le number one dans le pays des noirs dans la prophétie de Branham, ce n'est pas le Congo. If there is a country of black number one in the prophet of Branham, c'est l'Afrique du Sud. It's South Africa. Pourquoi foi Branham est venu en Afrique du Sud? Why did Branham come to South Africa? Un jour, one day. Amen. Glory to God. A woman by the name of Florence. Mais frère, quand je regarde cette photo, when I look at this picture, ça me donne la foi, moi, it gives me faith. Que même si ma vie, even if my life, mon ministère, my ministry, mon église, my church, ma gloire, my glory, mon argent, my money, a maigri comme cette femme, has been skinned up like this woman. J'ai la foi. I've got faith. Que ça deviendra. That it shall become. Shall become comme ça. Like that. Parce que la femme, c'est l'église. Because the woman is a church. Ce qui a amené Branham à fouler l'Afrique. What brought Branham to come to Africa? Florence Nightingale. Florence Nightingale. Tu n'as pas de force, toi là. Florence. Florence. Malade, mourant. Sick. Ça, c'est plus que le cancer, plus que le sida. Ça, this c'est, ça, c'est une dying. Moribonde. This is a dying woman. Et elle vivait ici en Afrique. She was living here in Africa. À Durban. In Durban. On l'a amené ici à Johannesburg. She was brought here in aucun Durban. Aucun médecin ne pourrait le guérir. No physician could heal her. Hein, ni toi, Gellor, ni not toi, you, Gellor. Hein, frère là-bas. Not you, even a brother. Personne. Nobody. Ni le docteur Feli, personne. Not even Dr. Feli, no one. Ils ont échoué. They failed. Mais on l'a parlé. But they spoke to him. Qu'il y a un prophète. There is a prophet. Aux États-Unis. In the United States. Il a écrit sa lettre. He wrote his letter. Avec le billet. With the ticket. Le billet d'avion. The ticket of flight. Et cela a coïncidé, frère Branham atterrissait à Londres pour aller à Norvège. And it's linked with Brother Branham going to London toward Norwich. Judith, il a atterri là où tu viens, sir. Judith, he actually landed where you come from. Mais quand on lui a dit, but when they told him qu'il vient à Londres, that he coming to London, il dit, mettez-moi dans l'avion. He says, put me in the plane. Si je dois mourir. If I can die, mais que je voie d'abord la face de ce monarque. The face of that monarch. Il croyait que Branham était le monarque qui viendra de l'Orient. De l'Occident. The monarch coming from Orient. Le monarque viendra. And the monarch shall come. Dit amen. Say amen. Et on l'a mis dans l'avion, mon frère. And they put him in a plane. Moribond. Dying. À l'aéroport de Londres. In the airport of London. Frère Branham aussi atterrissait. Brother Branham also was landing. Il malade, mourant. Seeking. Se rencontre avec un prophète vivant. Met with a living prophet. Et ils ont fait les appels. And they made calling. Il dit, William Branham est déjà descendu. Sa femme est mourir. Down here, et on l'amena dans l'hôtel Piccadilly. And they brought him to the hotel Piccadilly. C'est quoi j'aime beaucoup aller à Piccadilly. Hein? That's why I like going to c'est le nom de là où une guérison a été faite. Le nom des influences. Amen. The name of God influence. The name of where healing was. Moi, je vois place. Dieu partout. Amen. I see God everywhere. Allô. Now. Frère Branham est entré. Branham went. Il y avait le that prêtre anglican. There was an comme Desmond Tutu, les gens. Desmond Tutu and others. Frère Branham l'a regardé. Branham looked at him. Il dit, crois-tu que je suis prophète? He said, do you believe that I'm a prophet? Je le crois. He says, I believe it. Quand Frère Branham a commencé à prier, Branham started to pray. Un pigeon est venu dans la a fenêtre. A dove came to the window. Et le pigeon a commencé à roucouler. And the pigeon started to sing. Quand Frère Branham a dit amen, Branham says, amen. Le pigeon là est parti. The pigeon left. Le prêtre anglican dit à Frère Branham. The angel preacher says to Brother Branham. As-tu vu ce colombe-là? Did you see the dove? Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur. That said the Lord. Florence. Florence. Tu ne mourras pas. You will not die. Tu es guéri. You are healed. Et après quelques semaines, after a few weeks, une personne qui était comme a ça, person who was thin, est devenue en bonne santé comme and ça. Good health, mon frère, my brother, elle n'a même pas écrit le message. She never even believed the message. Elle voulait seulement sa guérison. She only wanted a healing. Mais moi, but je crois le message de toutes les veines de mon corps. I believe the message of all the veins in my body. Même si le ver dévore ma chair, if the worm can eat je my sais flesh, que mon rédempteur est I vivant. Know my redeemer lives. Je le verrai dans la chair humaine de William Branham. I shall see him in the human flesh of William Branham. Et amen vivra. And amen will live. Hallelujah! Hallelujah! C'est ça la preuve pour l'Afrique. This is the proof of Africa. Et on avait remis Frère Branham cette invitation le jour où la photo a été photographiée. And Brother Branham, the invitation was given to him the day this picture was taken place. Dit, Seigneur, si tu veux que j'aille en Afrique, Branham says, if Lord, you want me to go to Africa, je veux un signe. I want a sign. Si tu guéris cette femme, if you heal this woman, c'est le signe pour moi d'aller en Afrique. Then it's a sign for me to go to South voilà Africa. Le signe pour nous. This is a sign for us. De cette nation ici. Of this nation. Quand elle a été guérie, when it was healed, Branham est venu. Branham came. Il est descendu à l'aéroport. He came down the airport. Les gens l'attendaient partout. People waiting for him all over. Il a amené, il a fait trois mois ici. He did 3 months here. Sept camions de béquilles. Seven
track il of la prophétie du soulèvement. He brought the prophecy of the uprising. J'aime l'Afrique du Sud. He says, I love South Africa. Nous sommes pas dans un pays comme les autres. We are not in a country like other countries. Ça, c'est un pays de la promesse. This is a country of promise. Quand Abraham dit j'aime les noirs de l'Afrique. What Abraham said, I love blacks of Africa. Dans son esprit, c'était d'abord les Sud-Africains. First, South Africans. Sept camions de béquilles à Durban. Seven truck of crashes in Durban. Vous venez en Afrique du Sud, beaucoup de frères ici. Bonjour, il y a un goulungoul. Vous venez. Il ne connaît même pas là où frère Branham avait prêché. Il part à Durban. Oh, je suis parti à Durban. Fais quoi? Achète une voiture. Tu n'es pas parti voir les vestiges de la civilisation de la parole parlée. You were coming here to South Africa, going to Durban. You went to Durban just to buy cars, but you did not go to see the vestige of the past civilization. Quelqu'un dirait que frère Zagola, tu es fanatique. A person will say the prayer is a call. You just a fan. De la parole. I'm a fan of the word. Une sœur était malade. His sister was sick. Elle est venue en retard. She came late. Frère Branham venait de quitter l'hôtel. Frère Branham left the hotel. Il est parti. He left. La sœur a dit, montrez-moi là où il s'était tenu. The sister said that just show me where he stood. Il dit, non, il était quelque part ici. He said he was only somewhere here. La sœur a dit, je me tiens ici par la foi. Sister said, I'm standing here by faith. Là, il a été where guéri. He stood, where Frère Branham stood, she was healed. So why faut aller à Durban un peu dans les stades? That's why you must go in Durban in that stadium. Oh, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Il y a certains problèmes, l'onction de mon ministère ne peut pas donner la solution. There are certain problems that the anointing of my ministry. Il y a des onctions supérieures. Solution. There are supreme anointing. L'onction de Branham, c'est l'onction supérieure. The anointing of Branham is the superior anointing. C'est pourquoi Frère Branham est venu ici. That's why Branham came here. Voyez-vous que ce pays est dans la prophétie. Do you see that this country is in a prophecy? Et Mandela, tout ce qu'il a fait là, c'était les prophéties de Branham. And Mandela, what he did is the prophecy of Branham. Et il vient de mourir. And it's from, he just passed le on. Plus grand événement que le monde regarde. The greatest event that the world is maintenant looking pour to terminer dans now, ça. To finish now. Sa vie marche dans la prophétie là. His life walked with that prophecy. Je vais dire quelque chose ici. I'm gonna say something here now. Mais je dois d'abord lire quelques citations. But I want to read a few quotations first. Parce que je sais que les because frères, I know brothers, ils ne lisent pas trop, ils ne savent pas trop des choses. Regardez. They don't know things now. Look dans Joël 2:28. In Joel 2, Dieu avait dit. God said. On va terminer là. We shall close here. Dans les derniers jours. In the last days. Je reprendrai mon esprit. I'll pour upon my spirit. Sur les jeunes et les vieux. In the young and the old. Ils vont donner des prophéties et des vies. They shall dream dreams and see prophecies and give prophecies. Il y a une chose, je ne crois pas aux choses hasard. I don't believe in hazard things. Mandela s'éteindre. Mandela. En 2013. Mandela passing on in 2013. 50 ans depuis 63 quand il était arrêté. 50 years since 63 when he passed on. Alors que sa vie marche avec beaucoup de choses que Frère Branham avait dit. While his life walked with a lot of things as Frère Branham said. C'est un signe pour l'épouse. It's a sign for the bride. Et il y a un problème ici. And there was a problem here. Il y a un monsieur du nom de Nicolas. There is a man by the name of Nicolas. 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 Van Rensburg. Van Rensburg. Il est né le 30 août 1864. Is born the 30th of August 1864. Dans une ferme ici en Afrique du Sud. In a farm here in South Africa. Il est mort en 1926. He passed on in 1926. À 7 ans, il était parti à l'école. At 7 years old, he went c'était to school. C'était un bourg. It was a bourg. Il a fait seulement 20 jours à l'école. He only spent 20 days at school. Et il est rentré. And he returned. Le seul livre qu'il a lu toute sa vie jusqu'à sa mort. The only book that he read all his entire life until his death. N'était que la Bible. It was the Bible. Et il croyait à Wesley beaucoup. And he believed Wesley a lot. Il avait le don de prophétie. He had the gift of prophecy. Il donna une prophétie en 1900. He gave a prophecy in a year 1900. Avant même la naissance de Frère Branham. Before even the birth of Brother Branham. Avant même que l'Odyssée commence. Before even Laodicea starts. Maintenant. Now. Quelqu'un dira que mais est-ce que c'est scripturaire? The person will say, is it scriptural? Regardez Frère Branham dit que. Look, Frère Branham says now. Joël 2:28, je vais m'arrêter. Joël 2:28, I'll stop there. Dans les derniers jours. In the last days. Je répandrai de mon esprit. I pour upon my spirit. Frère Branham dit que. Frère Branham says. Entre l'âge de Wesley. Between the age of Wesley. Et le début de la Pentecôte. And the beginning of the Pentecostal age. L'esprit de Dieu était tombé sur beaucoup de gens. The spirit of God had poured upon a lot of people. Et ils ont donné des prophéties qui étaient vraies. And they gave true prophecies. Des vraies prophéties. True prophecies. Frère Branham dit. Frère Branham says. Même les faux prophètes. Even false prophets. Il dit Balaam. Balaam. Qui était un faux prophète. Who was a false prophet. Suivez-moi bien ici, je vais conclure. Follow me very well, I want to close here. C'est lui le premier. He is the first. Le premier qui a donné la prophétie. The first that gave a prophecy. C'est la naissance du Messie. On the birth of a Messiah. C'était Balaam. It was Balaam. Une étoile s'élève de Jacob.
a star rising from Jacob. Balaam dit, c'est lui, Balaam, qui était faux. Bram says it's Balaam was false. Mais sa prophétie était vraie. But the prophecy was true. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Dites encore amen. Say amen again. Même Paul. Even Paul. Look here in Titus. Regardez look Paul. 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 Let us read it quickly. Dites chapitre 1, le verset 12. Titus. Il dit, l'un d'entre eux, interprétez seulement. One of them. L'un d'entre eux. One of them. Leur propre prophète a dit. They are all prophet saints. Crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Now. Crée-toi. Cretan. Les gens de Crète. People of Crete. Toujours menteur, always lying, méchante, evil, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. His prophecy is true. The testimonies are true. Paul un jour s'est référé à la prophétie d'un prophète crétois. Paul one day referred himself to a Cretan prophecy. Et il a dit que cette prophétie-là est vraie. And that prophecy said that it's true. Alors que Paul était le grand prophète de ce temps. While Paul was the greatest prophet of that time. Ça c'est le troisième argument que this je donne. This is the third argument that I'm giving. Même quand frère Branham était sur la terre. Even when Brother Branham was on earth. Avant même que frère Branham vienne. Before Brother Branham even came. Il y a un homme appelé Alexandre Dowie. Even there was a man called Alexander Dowie. Il se croyait que c'est lui le manteau d'Élie. He thought that he is the mantle of Elijah. Il a vécu de 1847 à 1907. He lived from 1984 to 1947. Dans l'application 7 sopages. 198, paragraph 122. In a preaching of the seven seals of page 300. Frère Branham speak about Alexander Dowie. Il dit avant de mourir, il a dit qu'on lui mette un manteau. He says before he passed on, he must put a mantle on him. C'était l'imitation du vrai Élie qui Branham viendra. Says it was an imitation of the true Elijah that had to come. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Mais quand Frère Branham prêche, but when Branham preaches, je n'ai point été désobéissant à la vision. I've never been disobedient to the heavenly vision. Paragraph 5 à 6, je vous ai dit ça plusieurs fois. I read many times. Branham says that Alexandre Dowie là, Alexander Dowie, l'esprit de Dieu l'avait saisi. The spirit of God anointed him. Il a dit, he said, à l'Illinois, at the Illinois, que 40 ans après ma mort, 40 years after my death, un grand réveil, a great revival. Les États. Will sweep the United States of America. Ressuscitera un homme Eli. God will rise et sera man plus grand que nous tous. Will be greater than us all. Et il est mort. And he passed on. Et quand Frère Branham arrive dans cette ville, en 1949, in 1949, une femme qui croyait ça, il avait écrit ça à ses enfants. A woman that believed la femme it l'a it donné children, à Frère Branham. She took it and gave it to her il dit, Branham, tu es la réponse à ça. He said, Brother Branham, you are the answer to that. Il dit, c'est la vérité. Says, les gens là étaient où ils ont donné des prophéties du temps de la fin. Anointed, and they were anointed of, by giving the prophecy. Et regardez, le réveil de Frère Branham a commencé justement en 47 now, après qu'il a rencontré l'ange. The revival of Brother Branham started in 47 exactly when he met the angel. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen again? Charles Price. Charles Price. Il était un pentecôtiste. He was a Pentecostal. Mais en 1916. But in 1916. Le premier. The first qui a vu la nuée venir, that saw the clouds coming, c'était Charles Price. It was Charles Price. Il a prophétisé. He prophesied and said, l'arche viendra. Says, the ark shall come. Le salut et l'ouverture de la the parole. The salvation and opening of the world. Souvenez-vous, frère Branham parle de la prophétie de Charles Price. Now, notice, Branham speaks au sujet des sceaux. The prophet of Charles Price concerning the seals. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you believe it, say amen. Maintenant, frère Branham dit ici. Now, Branham says here. In exposition of, he says. Parce que les gens, les bandes vont partir. Because steps will go over. Il dit, he says, premièrement, 320. 320. Cet âge aura un seul messager prophète. This age will have one messenger prophet. Qui peut dire un grand who can say amen? Dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple des prophètes majeurs. In which none of the age that God has given a major prophet. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. There are those that think that the people will gather by the collective je revelation. Je conteste cette affirmation. Think that's a confirmation. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 17. It's affirmated by Revelation chapter 17. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans les derniers âges. I'm not denying the fact that people will prophesize in the last age. Dites un grand amen. Say a big amen. Et que leur ministère peut être correct. And their ministry might become correct. Et les seront. And they shall be. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul. And I do not disagree that there will be prophets like in the time of Paul. Oui, il y a eu un prophète nommé Agabus. Yes, there was a prophet named Agapas. Qui prophétisa sur une famine. Who prophesied on a famine. D'accord, c'est vrai. For sure, it's true. Mais je nie. But I disagree. En vertu du témoignage infaillible de la parole. In the infallible testimony of the word.
plus qu'un seul messager prophète majeur, more than a major prophet messenger, qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole. Will reveal the mystery as it been held in the word. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say Frère Branham croyait que, but Branham believed that, au temps de la fin, at the end time, il y aura aussi des gens. There will also be people avec des ministères, with ministry, et des dons de prophétie, of gift qui of vont donner des vraies prophéties, that will give true prophecies, comme Agabus au temps de Paul. Like Agabus in the time of Paul. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you believe it, say big amen. Mais Branham niait plutôt. But Branham malgré que ces gens-là seront là, despite the fact that those mais people will ne be peuvent there, pas être le messager. But they cannot be the messenger. Révélateur de la parole. Revealer of the word. Il y aura un seul messager. There will only be one messenger. Mais les gens auront des dons de prophétie. People will have gift of prophecy. Avec des ministères aussi corrects. With also true ministries. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say maintenant, amen. L'histoire de cet homme est matiquée. But now the story of this man. Touched me. D'abord, il a lu une seule livre dans sa vie, il n'a pas étudié. He never studied, only read one book in his life. Cet homme ici, Nicolas Van Rensburg. This man, Nicolas Van Rensburg. Et il a donné beaucoup de prophéties sur les bourgs. He gave many prophecies on the bulls. Il leur avait donné la prophétie. He gave them prophecies. Que les Anglais vont leur gagner. That the English et on va leur mettre dans les cas de concentration. C'est arrivé en Afrique du Sud. They will put them in il avait prophétisé encore qu'après la Première Guerre mondiale, il voit une maladie qui tuera beaucoup de gens en Afrique du Sud. Beaucoup de choses. A lot of South Africa. A lot of things happened like that. Et en 1990, and in 1990, non, 1900, pardon, c'est ce que je voulais. 1900, il a donné une profession disant, he gave a prophecy saying, je vois avant la fin du monde, before the end of the world, I'm seeing l'afflux des étrangers africains et des autres pays en Europe, the running of many foreigners in Europe, créera les problèmes avec les autochtones européens. It will going to create with the European autochtones. Il y aura beaucoup de choses mauvaises qui vont arriver en Europe. There will be many bad things that will happen in Europe. Il a dit que il a vu le Japon. And he saw Japan. A eu un coup par un tremblement de terre. They had an earthquake. Et il a dit, je vois une crise économique terrible. And he says, I'm seeing a horrible economical crisis. Je ne sais pas comment la solution se fera. I do not know how the solution will il dit que je vois des guerres civiles partout. I'm seeing civil war all over. Et je vois la troisième guerre mondiale. And I am seeing the third world war. Qui mettra fin au monde. That will bring an end to the world. Regardez les choses qu'il a dit ici. Now, look at all the things that j'ai suivi sa vie pour l'étudier. I followed his life to study. C'est un homme him. Qui ne lisait que la Bible. It's a man who was only il a appris à lire, à écrire même seulement par la Bible. They say that he beaucoup also learned de prophéties qu'il donnait Bible étaient vraies. And many prophecies that he was giving were true. Remarquez en ce temps-là, la Première Guerre mondiale n'avait pas encore eu lieu. Notice 14 at that time, the First World War never took place. N'avait pas encore eu lieu. It never took place. La Deuxième Guerre mondiale n'avait pas encore neither eu lieu. The Second World War. Mais il a prophétisé sur ça. But he prophesied upon il avait un don de prophétie. He had a gift of prophecy. En ce temps-là, les Africains n'étaient pas en Europe comme maintenant. Voyez-vous, ce qu'il avait dit, ça s'accomplit. L'afflux des étrangers en Europe, ça crée des problèmes partout. Of people in Europe, it's la crise économique qu'il avait vue. Economical crisis that he's il a été sincère. Il ne savait pas la solution. Je crois que Frère Branham a parlé de ça. Il a donné même qu'est-ce qui va se terminer ça. That's what Branham spoke about it. Des guerres civiles s'est arrivées. Civil war took place. Et lui l'avait dit. And he said, ça, ce sont ses mots. Now, tous ces événements à venir all those coming events auront comme signal de la fin will have as a signal of the end pour la nation sud-africaine. For the South African nation, le départ et la mort the departure and the death du premier président noir élu en Afrique du Sud. Of the first black president elected le in South monde Africa. Entier sera là. The whole world will be there. Pour cette mort-là. For that death. Quand vous verrez cela, and when you see that, ça ne tardera plus. It will not delay no more. Le monde se détruira rapidement. The world will be destroyed quickly. Frère Branham nous a enseigné Branham taught us that de respecter les prophéties. Respect prophecies. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Mais de vérifier ça. But check it. En ce temps-là, en 1900, at that time in 1900, qui peut penser qu'un noir peut devenir président sud-africain? Who thought that a black will become a South African first president? Personne. Nobody. C'est-à-dire le Messie ici avait une vraie prophétie de Dieu. That means this man had the first a true prophecy from God. Une prophétie, quand cela est donné, suivez. Abraham now follow. He says, when a prophecy is being given, ne rejetez pas ça. Do not reject it. Il dit, croyez à ça jusqu'à la preuve du contraire. Believe it until it is proven wrong. Oh, mais répondez amen, non? Say a big amen.
Ce monsieur ici, this man, il a dit ça, he said it. Et en 1994, now in 1994, pour la première fois, 94 ans après sa prophétie, 4 years after his prophecy, un noir est devenu président. A black man became president. Mandela. Mandela. C'est que ce qu'il avait vu était vrai. Meaning what he saw was true. Dites un grand amen. Say big amen. Était vrai. It was true. Et c'est en 2013. And it is in 2013. L'année de la fin du cycle. Of the end of the cycle. 50 ans après la nuit. 50 years after the cloud. Le président la meurt. That president passes on. Il avait dit que le monde entier sera là. He said that the whole world will be there. Nous avons vu le monde entier ici. We saw the whole world here. Soyons sincères. Let us be sincere. Je n'ai jamais vu un day où tous les grands. I've never je seen ne parle pas où les individus ont écrit à Mika. Non, ici c'est que tous les here, grands. All the great men. Le day de Mandela est plus que celui d'Elvis Presley et de ces musiciens ici, Jackson. Par rapport au nombre de grands, les grands. Death of Mandela, it's greater than Elvis Presley, even Michael Jackson, in numbering of the great men here. Tous les grands voulaient être là. All the great men on earth wanted to be there. Tous les yeux du monde étaient ici. The entire eyes of the world were right here. L'Amérique, America, Canada, Thaïlande, j'ai suivi tout. Et all of them. Tous les grands qui représentent les religions du monde. All quand j'ai dit ça, j'ai dit, oh, c'est le conseil œcuménique. Le rabbin juif a parlé. Le musulman a parlé. Celui-là a parlé. This one spoke. C'est un signe du temps. It is a sign of time. Branham nous a dit, tous les événements modernes. But Branham taught us that all the modern events sont rendus clairs. Are made clear par la prophétie. By prophecy. Qui peut dire un grand amen? Who can et cet homme-là, that man, sa vie, his life, ses combats, his battle, avaient été soutenus et prophétisés, was supported and prophesied par le messager de l'âge, by the message of the age. Qui dites-vous de ça? Who do you say it is? Et il meurt, and he dies, dans l'année de jubilé, in the year of jubilee. En réalité, mon frère, si nous voulons être sincères, in reality, God, le plus grand événement qui a bougé le monde en 2013, the greatest event that shook the world in 2013, c'est la mort de Mandela. It's the death of Mandela. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, tout le monde entier était ici. That world were here. Ça ne peut pas être un hasard. It cannot be a hazard. Moi, Zakola, je ne le croirais jamais. C'est un hasard. Zakola, I will never believe it like selon that. Ce que le grand prophète m'a according to what the prophet thought. Il dit, observez bien les événements. Says, watch closely events. Vous verrez Dieu est en train de vous dire quelque chose. You see God busy telling you something. Et sondez la parole. And watch over the word. Ce n'est pas search un hasard. The word. Et ça arrive que un Nicolas Van Rensburg. It happened now that an Nicholas, a Van Rensburg. S'il était un noir, on va dire que c'est un fanatique. Un bourreau encore. If it was a black, they would have said that he's a fanatic, but he's a bourreau. Black. What? En 1900. In 1900. Et Branham nous dit, Branham. Branham tells us now. Que c'est vrai, ces gens-là. It's true, those people. La majorité d'entre l'Esprit de Dieu descendait. Majority of them, the Spirit of God were coming upon. Ils donnaient des vraies prophéties. They were giving true prophecies. Mais ils n'étaient pas les messagers. But they were not messengers. Mais les prophéties, ils ont donné des but vrais. Prophecies, they et on reconnaît prophecies. Une prophétie est vraie. And we recognize a true prophecy par son accomplissement. By its fulfillment. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say par amen. Son accomplissement. By its fulfillment. Comment en 1900? How come in 1900? Il dit une chose pareille. He says a thing like this. Le temps où même un rêve, un noir a ne peut pas. Even in a dream, a black. Cannot. Un noir là, à 94 ans après, il est devenu président. 94 years after, et en 2013, 103 ans après, hein, pas 13 ans, je pense, 113 years later, il est mort. That he passed on, et le monde entier était ici comme la prophétie l'avait dit. The whole world were here as the prophecy said. C'est quoi, je prends ça dans le même cadre que frère Branham dit comme les Agabus et tous les autres là. That I'm taking the same angle like Agabus and all others. Et nous regardons les événements autour de nous. And we're looking at events all around Israël, us. Israel, États-Unis, le monde par rapport à la prophétie. C'est clair que c'est la fin des temps. It is clear that is the end of time. C'est-à-dire ce messier ici avait donné une vraie prophétie. This man gave a true prophecy. Ça s'est vérifié, mes frères. It is being checked. When I'm the, une vraie prophétie ne contredit pas un prophète majeur. Abraham says a true prophecy does not contradict a major prophet. Il a vu même une crise économique. You see, even so, mais lui ne savait pas comment ça va se faire. He did not know how. Mais Branham a dit comment ça va se faire. Branham said how. Et quelle sera la solution? What will be the solution? Voyez-vous, ça c'est le messager, le sommet. Do you see now? This is the summit of a prophet.
message. When I read this, j'ai dit, c'est vrai. I said, it is true. Ça, c'est la confirmation. This is the confirmation. Que cette année ici, this year, c'est la clôture. It is the conclusion. Il est plus tard. It is later que nous le pensons. Than we think. Qu'est-ce qui va nous arriver? What will happen to us? Le départ de l'épouse. The departure of the bride is here now. Parce que ce qu'il a vu, il a dit que ça ne tardera pas. What he saw, he said, it will not delay. Et la guerre, et la troisième guerre va s'éclater. And the third world war will burst. Et Branham dit que, and Branham says, avant que la guerre s'éclate, before the war bursts, l'épouse doit être enlevée. The bride might be caught up. Voilà mon message pour vous. This is my message for you all. Un héros ne meurt jamais. Never dies. Et Mandela dans la prophétie. In the prophecy. D'abord, de Branham, le first, grand messager. Of Branham, the great messenger. Et les petits qui avaient des temps de prophétie. The little ones who had little prophecies, gift of prophecies. Faisons très attention. Let us be so careful now. Un pasteur de l'Équateur m'a appelé Mobong. Pastor from Mobong. Ils avaient jeûné de trois jours dans leur église. They were fasting for 3 days. Il dit, mon frère, j'ai vu une vision. I saw a vision. Il dit que Dieu m'a dit, regarde ce qui se fait là-bas, là où Zakola est, dans ce pays-là. Look at what is taking place where Zakola is. La mort de ce grand homme. Of that great man. Il dit que j'ai vu quelqu'un qui me faisait des calculs. I saw a person that make me calculations. Et je n'ai pas bien saisi que rapidement préparez-vous pour le départ. I did not catch it very well, and it was told to me that je suis ici à la chaîne, il m'a appelé, il m'a dit ça. For the departure. Et j'étais vu en train de prêcher quelque chose sur ça. And I saw you preaching something about it. Je veux que tu m'envoies là-bas. I want you to send me the tape. Il ne savait pas ce que moi j'ai. He did not know what I had here. Frère Branham dit. But Branham says. Et avant le départ. That before the departure. Dieu va nous avertir de toutes les différentes manières. God was going to give us warning in all ways. Pour que même la personne la plus insensée, so that the senseless even person, s'il était prédestiné, if he was predestinated, qu'il ne puisse pas aller en enfer. May he not go to the rapture. Il est plus tard que nous le pensons. It is later than we think. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all.